Eh bien salut tout le monde, c'est Kervendo, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve ce soir pour notre, l'un de nos derniers lives sur la 3DS, hein, malheureusement, il fallait bien que ça arrive un jour, sur le jeu Mario et Luigi, j'allais dire Dream Team Bros, mais non, à chaque fois je me trompe, voyage au centre de Bowser, plus l'épopée de Bowser Jr. Alors, c'est la dernière vidéo, même pas officiellement, c'est juste la dernière vidéo tout court sur le jeu, parce que j'ai fini le mode normal, et j'ai fini le mode de l'épopée de Bowser Jr. Donc en gros, il me reste rien de plus à faire. Genre, enfin, il me reste juste l'arène à faire, et donc l'arène, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et je dis l'un des derniers lives de la 3DS, parce que la 3DS, bon bah vous le savez, hein, il n'y a plus de jeu de prévu, bon, on a encore Yo-Kai Watch en cours, mais après ça, on aura Luigi's Mansion 2, puis je sais pas, ce sera à peu près tout. On va y aller, je sais que j'ai du courrier à lire, je lirai à la fin parce qu'en fait je me dis que normalement l'arène ça ne va pas durer 2 heures. Donc je pense que ce qu'on va faire c'est que on va faire le live, on va jouer et quand on aura fini, j'irai lire les 3 lettres que j'ai reçues. Et puis ensuite voilà, on se laissera à moins que... dans 2 heures on y soit encore, mais je pense pas. Alors juste un truc, merci Auré, hein, qui m'a demandé justement quel niveau avait mon équipe pour savoir si je pouvais y arriver. Et j'étais niveau 31, je crois que j'étais niveau 31, Mario Luigi était niveau 31, je m'en souviens plus trop mais je crois que c'est le cas. Et je croyais que ça allait être bon, parce qu'en fait, Auré m'avait dit qu'il fallait être à un certain niveau, et dans ma tête, j'avais lu 28. Et en fait, c'est pas 28 qu'il m'avait dit, c'était 38, mais c'est moi qui me suis trompé, c'est moi qui ai oublié, c'est pas Auré qui s'est trompé. Et donc, en gros, j'avais quand même 7 niveaux de moins que le niveau qu'il fallait pour le battre, sachant que le vrai boss de fin, il est niveau 42. Et d'ailleurs, je suis allé voir sur internet, ils disent qu'il est niveau 42. Mais qu'en réalité c'est une erreur, qu'il y a des gens qui ont regardé dans le code du jeu et qu'il ne devrait pas être niveau 42 mais qu'il devrait être niveau 50. En fait il y a marqué niveau 42 mais c'est apparemment, je sais pas trop mais apparemment il correspond pas, ses stats ne correspondent pas à un niveau 42. Apparemment c'est une erreur, il devrait être niveau 50. Donc bref, ça fait que bon niveau 31 je pouvais pas y arriver. Surtout qu'en plus le gros problème de l'arène c'est que c'est en nombre de tours limité. C'est à dire que même si tu es, en fait en gros... ce jeu, Mario Luigi, tu peux être niveau 1 et le finir. Bon, en théorie, c'est pas possible de le finir en étant niveau 1 parce que t'es obligé de battre les boss et les boss sont obligés de te faire XP. Mais si t'es au niveau minimum, qui doit être, je sais pas, on dit quelque chose comme niveau 20, 25, quelque chose comme ça, c'est possible d'arriver le jeu. Parce que tout ce qu'il faut, c'est éviter les attaques ennemies. Si tu arrives à éviter toutes les attaques du boss final, après, tu peux peut-être passer 5 heures à le battre. Mais potentiellement tu peux le battre, hein. Si avec un hack tu arrives à te retrouver contre le boss de fin du jeu en étant niveau 1, tu peux y arriver, hein. Ça te prendra peut-être 1 an, mais tu peux y arriver. Le problème là de cette arène c'est que non, c'est pas possible, parce qu'en fait y a un nombre de tours limité. Donc si tu n'y arrives pas en le nombre de tours qui est indiqué, c'est fini, t'es éjecté, enfin t'es obligé de tout recommencer. Donc y a pas ce délire en fait, t'es obligé d'être déjà doué, et en plus de ça que ton équipe soit forte, parce que sinon c'est impossible. Bref, merci à toi Amine Moussaoui pour ton don. Peut-être juste avant d'y aller, on va aller faire un petit truc. Ouais, on va peut-être aller le faire. Parce qu'en fait, sur la plage, y a les puzzles. Et les puzzles, en fait, ils nous permettent de gagner des fèves. Et je me dis, on est peut-être... Enfin, les fèves, ça donne des stats en plus. Donc peut-être que ça pourrait être cool. J'en sais rien. On va voir combien il me reste. Je sais plus combien il y en a. Comment je m'en vais? C'est par là. Ok. Donc c'est ici que j'ai XP. C'est dans cette zone que là, en 4-5 heures, j'ai gagné énormément de niveaux. Alors malheureusement, je peux plus les éviter, là, les ennemis. Ok, très bien. En plus, ça sert vraiment à rien que je le batte, parce que genre, je suis vraiment niveau 38, mais tout en bas du niveau 38. Donc, je vais les battre quand même, mais ça sert vraiment pas à grand-chose, là, pour le coup. Hein. Ok. Parfait. En tout cas, salut à tous ceux qui arrivent. Vous êtes 154, n'oubliez pas de laisser des pouces bleus. Ok, faut que je regarde l'écran du bas, sinon j'y arriverai pas. Allez. C'est pas difficile, hein. Maintenant je les connais presque par cœur les ennemis de cette zone, hein. Je les ai tellement fait que... D'ailleurs j'ai cru remarquer que, je connais pas par contre le nom des ennemis, mais les ennemis vous savez qui se dupliquent, qui divisent leur vie par deux et qui se dupliquent, et j'ai l'impression que, comment dire, quand ils se dupliquent et que tu les retues, ils te donnent de l'XP en plus. Donc ce que je faisais, ah mince, ok d'accord, très nul, ok, vraiment très nul.
Ok, parfait. Donc j'ai l'impression, j'ai eu cette impression-là, donc ce qui faisait qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait un combat où il y en avait 4, j'en tuais 2, et après je m'arrangeais pour pas tuer les deux autres, avant que les autres se dupliquent, puis ensuite je tuais les deux qui étaient arrivés, etc. Et donc ça faisait qu'en un combat, des fois je me retrouvais avec 6 ou 7 qui étaient morts, et donc ça me faisait gagner beaucoup d'XP, et c'est comme ça que c'était assez rentable en fait. Donc voilà, c'est des petits tips que je peux vous donner si vous essayez vous aussi de faire l'arène et que vous demandez combien XP. Alors lui, on va le passer. Le dernier, il faut un minimum niveau 45 ou 50, je crois. On m'avait dit 48, mais ouais, peut-être que c'est possible aussi niveau 45. Hein. Alors, non, 45, non, je croyais, j'avais compris 35. C'est possible. J'ai vu des gens y arriver au niveau 38. Enfin, j'ai vu que des gens y étaient arrivés au niveau 38, donc c'est possible. Après, faut peut-être avoir particulièrement des bonnes stats et tout, mais c'est faisable. C'est faisable. Par contre, c'est pas beau, là, en fait... Ce serait peut-être mieux si l'écran de combat était en bas, non? Enfin, était en gros. Je vais peut-être bouger ça. Je vais peut-être refaire comme dans Let's Play, je vais mettre l'écran du bas en gros. Mais je vais faire ça après. Oh, ils sont relous, on peut pas les éviter. Ah, je pourrais aller dans le sol, c'est vrai. Bon, c'est pas grave, c'est pas très important. Allez, il est presque mort. Tu fais Mario et Luigi, les frères du temps. Pour l'instant, j'ai pas prévu. Peut-être un jour, mais j'ai pas prévu. Il faut que je vous montre aussi la catastrophe. Regardez, attendez. Vous voyez mes cheveux? C'est une catastrophe. C'est parce que je suis super stressé en ce moment et donc voilà, mes cheveux deviennent blancs. Non, c'est absolument pas ça. Déjà, ça n'existe pas, cette théorie. Et en plus de ça, quand tu te colores les cheveux, ils peuvent pas devenir blancs, même si t'es stressé. Non, c'est juste que je me suis refait un défrisage. Et en fait, le défrisage, comme c'est un produit qui agresse beaucoup les cheveux, et ben genre, ça fait partir toute ma couleur. Parce que c'est bien entendu une couleur artificielle. Hein. Oui, mes cheveux ne sont pas bleus naturellement, ça n'existe pas. Mais je vais bientôt me refaire une couleur. Hein. Pour l'instant, je les cache bien parce que j'ai un peu honte quand même. Parce qu'en fait, ils sont d'un côté gris, enfin, ils sont un peu gris, un peu bleu, un peu blanc, un peu jaune, donc ça fait bizarre. Bref, alors, c'est où la plage? Non, c'est pas blond, regardez. C'est pas blond, en fait, regardez. Ce qu'il y a, c'est que les racines, elles sont noires, enfin, elles sont brunes, comme elles le devaient, mais genre, il y a des reflets jaunes pipi, enfin, non, c'est vraiment pas beau. Alors, la plage, c'est par où? Attendez. Je suis un gentil moglobing, je m'en moque, oui, alors, le tuyau jaune et violet, c'est le village des Toads, là, c'est le sous-sol, lac Bobotès, c'est ça, c'est le lac Bobotès? Ouais, je crois, tuyau bleu, je sais pas, on va voir, je sais plus, jeune bibi, quelle couleur, non, c'est faux, Moti, ah, non, c'est pas du tout là, par rapport à ton message, non, disons que mettre des produits agressifs dans tes cheveux ne peut pas te rendre chauve. C'est pas possible. En fait, c'est tout simplement parce que quand tu deviens chauve, c'est une maladie. Et, enfin, c'est ce qu'on considère aujourd'hui comme étant une maladie. D'être chauve, c'est une maladie génétique. Hein, ça dépend, je crois, c'est un truc hormonal. Et en fait, en gros, si tu deviens chauve, et bah c'est... Attendez, je vais par là. Si tu deviens chauve, c'est juste que tes hormones font n'importe quoi et que donc la racine de tes cheveux et bah, ne se régénère pas. Mais en gros, quand tu mets des produits n'importe quoi dans tes cheveux, tu peux mettre n'importe quoi dans tes cheveux. En fait, ça peut agresser tes cheveux. Genre, tes cheveux, au lieu d'être soyeux, ils vont devenir tout secs et tout. Tu peux même les faire tomber. Mais il n'y a aucun produit qui arrive à directement en fait arriver jusqu'au bulbe de tes cheveux. Ça n'existe pas, heureusement quand même, parce que sinon pour que ça arrive jusqu'au bulbe de tes cheveux, faudrait genre littéralement que ça te brûle la peau qu'il y a sur ton crâne. Donc vraiment ça ne marche pas comme ça. Alors c'est où par contre? Ah, c'est là-bas. Ok, très bien. Ma 3DS est morte depuis 2 semaines. Ah, rip. Bah moi, la mienne, elle va pas tarder à mourir hein. Vu comme elle est vieille, enfin, elle aura bien fait son temps. Jaune pipi, c'est vachement une couleur. Ouais, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors, donc, ça donne bien des fèves, hein, il me semble.
Ouais, il m'en reste deux à faire, donc très bien, on va débloquer des fèves et on les donnera à Mario et Luigi, comme ça, ça nous boostera un petit peu plus. Bon, alors, pendant que je fais le puzzle, je vais pas trop regarder le chat, hein, histoire que ça aille assez vite, mais vous en faites pas, je reste là. Ok, ça, ça va là. Bien entendu, je fais toujours les coins d'abord. C'est toujours comme ça que je... Même les puzzles dans la vraie vie, c'est comme ça que je les faisais. Bah non, c'est bon là. Voilà, très bien. Ça, ça va. Ah non, non, non. Ça va là. Ça ici. Dans quel sens? Ouais, comme ça. Là, c'est quelque part par là, mais alors où? Je sais pas trop. En fait, si tu le mets pas précisément, ça marche pas. Ok, ah, c'est bon. D'accord, très bien. Ça c'est du rose, donc ça va là-haut. Non, ça va pas là? Attendez, ça va où alors? Ah non, c'est parce qu'il y a la table. Non, c'est la table qu'on voit. D'accord, très bien. Bon, c'est peut-être pas très intéressant, je suis désolé, mais j'avais absolument pas pensé à le faire ce truc-là. Genre, j'y ai pensé vraiment au moment où je lançais le live. J'aurais dû le faire avant. On va. C'est pas si grave. Attendez, c'est dans quel sens? Ça doit être par là, comme ça là. J'en sais rien. Alors, lui, il va là. Non, mais ça peut pas être là alors. Ça, c'est en bas. Kirb, est-ce que. Quoi? Kirb, j'ai une question qui me brûle les lèvres, je peux la poser. Tu aurais dû la poser dans ton message que je viens de lire parce que malheureusement, ça se trouve, je vais louper ton prochain commentaire. Je sais que mes cheveux sont horribles. Enfin non, au contraire, c'est-à-dire que oui, la couleur de mes cheveux est horrible. Mais par contre, eh ben, je les trouve genre super lisses. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été aussi lisses que ça et ça me fait plaisir. Mais vous en faites pas, je vais refaire la couleur. C'est juste que pour refaire la couleur, il faut d'abord que je me refasse une décoloration. Et je veux pas faire le même jour, genre le défrisage, la décoloration et la coloration. Parce que la dernière fois que j'ai fait ça, ça m'a brûlé, donc vaut mieux pas. Ça, ça doit aller là. Ok. Ah non, non, il était bien. Parfait. Où est l'autre côté, là? Ah, c'est lui. Parfait. Bon, bah, ça va plutôt vite, en fait. Non, ça doit être là, non? Ouais, très bien. Ça va falloir juste trouver le sens, en fait. Est-ce que ça doit être par là? Mais alors, dans quel sens? Je sais pas trop. Comme ça. Très bien. Donc lui, il va pas du tout là, en fait. Hein. Je me suis gouré. Il doit aller plutôt par là, alors. Voilà, très bien. Ça, c'est ici. Dans ce sens-là. Mais pourquoi il n'y a pas de chrono? Ils auraient dû quand même mettre un chrono, genre, pas forcément un chrono où si tu n'y arrives pas en moins de un certain temps, t'as perdu, mais genre un chrono du genre que, voilà, enfin, à la fin, il te dit en combien de temps tu y es arrivé, ça aurait été cool, je trouve. Ok, voilà, c'est bon, bref. Yokawash 4 sort quand? Eh bien, il sort plus le 6, hein, il sort le 20. Normalement, il sort le 20, hein, s'il n'est pas repoussé encore. Mais je pense qu'il sera pas repoussé, là, enfin, j'espère, en tout cas. Bref, allez, on l'a terminé. Pas des trucs de vitesse, par contre. Hein. C'est un design assez moderne pour un ancien comme moi. Très bien. Allez, c'est quoi comme fève? Pas de vitesse, pas de vitesse. Ah ouais, c'est de chaque. Ah, c'est une. Oh, c'est pas ouf, en fait. Alors, je m'attendais à ce que ce soit mieux. Après, peut-être que quand tu réussis tous les puzzles, ils te donnent un bonus, non? J'en sais rien du tout. Bon, allez, le dernier, le puzzle du tapis. Porky de la série Earthbound sera jouable dans Super Smash Bros. Ultimate. Une vidéo a été leakée où on peut le voir très rapidement. NES avec Porky dans son robot araignée avec Gigas. J'y crois absolument pas. J'ai déjà entendu des gens en parler. J'y crois pas une seule seconde. Sachant que... Enfin, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais je vais le redire. Enfin, déjà, il y a deux arguments. Les leaks de jeux Nintendo, il y en a des milliers. Le nombre de fois où ça a été...
réel. Enfin, il y a des fois où effectivement ça a été leaké et le leak était juste, mais ça arrive tellement peu souvent que pour le coup, je leur donne même pas le bénéfice du doute, quoi. Autre chose aussi, c'est que Nintendo a choisi les persos du DLC. C'est pas Sakurai, c'est Nintendo qui les a choisis. Et donc, comme c'est Nintendo qui les a choisis, il y a de grandes chances qu'il y ait une volonté, une volonté marketing, quoi. À mon avis, les persos qu'ils ont mis dedans, après peut-être pas tous, mais selon moi, les persos qui vont être en DLC, ou en tout cas la plupart des persos qui seront dans le DLC, seront des persos de jeux ou de séries dont des opus vont sortir prochainement, pour justement faire en sorte que voilà, enfin, ce soit genre ça fasse de la publicité pour le jeu ou la série en soi. Et c'est pour ça que pour moi, il y a aucune chance qu'un nouveau jeu Mother arrive. J'y crois absolument pas. Donc ça fait que, juste pour cet argument-là, je pense qu'aucun nouveau perso de Mother n'aurait pu être choisi par Nintendo. Si c'est Sakurai qui choisit le perso, pourquoi pas, hein, ça m'étonnerait pas que Sakurai décide qu'un perso de Mother soit jouable en plus dans Mother un jour. Mais Nintendo, à mon avis, ils en voudront pas du tout. Genre, ce serait le contraire, m'étonnerait énormément. Je peux me tromper, bien entendu, hein, je suis pas devin. Mais si c'est le cas, franchement, là, je comprendrais vraiment pas ce que Nintendo cherche à faire avec le perso de DLC. Surtout que Nintendo aime bien Mother, ça fait partie de leur histoire, mais c'est pas une série qui, pour eux, est vraiment rentable, en fait. C'est-à-dire que Nintendo, peut-être pas le premier jeu Mother, hein, mais les deux jeux Mother suivants, sont des jeux qui ont eu un développement long, assez chaotique, qui ont dû coûter certainement beaucoup d'argent à être fait, qui ont probablement rapporté un peu d'argent au Japon, hein, je pense, parce que le mec qui travaille sur les Mother, c'est Shigesato Itoi, c'est ça. Et Shigesato Itoi, c'est pas n'importe qui, c'est... Enfin, nous, on le connaît pas en France, mais genre, c'est un mec, il fait de la radio, il fait des livres, il fait tout ça au Japon, c'est pas n'importe qui, quoi, c'est une célébrité. Donc, le mec, le fait qu'il sorte un jeu avec son nom dessus, voilà, c'est vendeur. Mais en France, aux États-Unis, personne connaît Shigesato Itoi. Genre, même moi, je pourrais pas citer l'une de ses œuvres en dehors de Mother. Alors que j'adore Mother et Itoi, donc voilà, ça, tout ça pour dire que les Mother ne marchent pas en dehors du Japon. Déjà, Earthbound, c'est complètement ramassé à l'époque sur Super NES aux États-Unis, à tel point qu'il est même pas sorti en Europe, et Mother 3 n'est même jamais sorti en dehors du Japon. Donc pour ça, ça m'étonnerait énormément qu'on ait un autre opus. Déjà parce que Itoi veut pas le faire, et en plus de ça, parce que Nintendo a pas vraiment envie de le faire. Parce qu'en fait, Mother, c'était quand même le bébé de deux personnes. C'était et le bébé de Itoi et le bébé de Iwata. Iwata aussi avait énormément travaillé sur Mother et c'était vraiment un jeu du cœur pour lui parce que il l'avait sauvé en fait de l'annulation en plus à l'époque. Donc Iwata, il aime beaucoup Mother. Enfin, il aimait beaucoup Mother, mais Iwata est mort depuis quelques années maintenant. Donc ça fait que Iwata, qui était quand même présent de Nintendo, était l'une des dernières personnes qui aurait pu dire « Bon, allez, on fait un nouveau Mother !» Mais comme Iwata n'est plus là, et bah, ça m'étonnerait qu'il y ait un autre Mother un jour. Bref. Et en plus, c'est pas une question d'argent, hein, genre, pour Itoi. Itoi ne veut pas. Itoi dit « La suite de Mother, en gros, c'est votre vie, c'est la vie de tous les jours, c'est ce que vous faites de l'expérience que vous avez tirée du jeu. C'est pas un nouvel opus. » Enfin voilà, bref, parce que Itoi c'est un artiste en fait, c'est pas un créateur de jeu, c'est un artiste. Donc même s'il y a certains créateurs de jeu qui sont artistes, mais lui c'est vraiment genre un artiste plurimédiatique. Et donc bah lui il a pas vu ça comme étant une licence comme Mario, quoi. Bref, allez, donc moi je serais très content pour qu'il soit dans le jeu, pour de vrai, mais j'y crois pas du tout. Bon alors, vas-y, tu vas me donner une récompense ou pas? Ouais, je sais, elle est jolie ta maison. Moi j'aimerais bien avoir une fenêtre comme ça chez moi. Enfin, pas avec cette forme là, on dirait le nez de Wario, mais. Ou de Waluigi plutôt, mais. Merci d'avoir exaucé le souhait d'un vieillard. Merci mille fois. Allez, tu me donnes 1000 fèves, non? Non? Ouais, ok, c'est tout. Ah! Quoi? Un bleu barrière, que quoi? D'accord, voyons voir ce que c'est. Alors, bleu barrière.
se bloc crée une barrière qui arrête plusieurs fois les attaques ennemies. C'est nul. Enfin, vu toutes les stats que je perds, c'est trop nul. Ah oui, il faut que je retire les chaussures de fermier. Effectivement, j'avais oublié de vous le dire, mais pendant que je farmais l'XP de mes persos, je leur avais mis les chaussures de fermier. Ce sont des chaussures qui ont des stats un peu pourries, mais en fait, elles ont un pouvoir qui est cool parce que elles donnent des fèves aléatoirement lorsqu'on élimine un ennemi. D'ailleurs, le texte est faux. Parce que le texte, il dit des chaussures qui donnent une fève aléatoire lorsque vous éliminez un ennemi. C'est faux, en fait. Ça ne donne pas une fève quand tu élimines un ennemi. Ça donne des fèves aléatoirement lorsque tu élimines un ennemi. Donc, tu peux en éliminer 10 et avoir 0 fèves, comme il m'est arrivé d'en éliminer 1 et d'avoir 3 fèves d'un coup. Donc, voilà, c'est... Si vous faites de l'XP dans le jeu, ça peut être bien d'avoir ces chaussures. Parce que comme ça, ça permet d'augmenter le stock de fèves. Mais par contre, effectivement, faut pas le garder pour les boss, parce que, il a pas des stats ouf. Donc Auré m'a dit qu'il fallait que je mette les chaussures attaque, je crois, plus. Mais je les ai pas, donc je vais mettre les gants attaque plus, qui doit faire à peu près la même chose. Je sais pas trop, mais ça doit être à peu près la même chose. Bref. Ah, salut Lonk. D'ailleurs, oui, salut Auré, Nono et Anto. Je vous avais vu tous les trois, mais j'étais perdu dans mes paroles. Alors, voyons voir. Je vais aller sauvegarder, et une fois que j'aurai sauvegardé, je vais aller donner les fèves à mes persos, parce que ça se trouve, je préfère sauvegarder avant, parce que j'ai peur de mal les donner, en fait. Quoique... Je vais pas les donner maintenant, en fait. Je vais essayer de faire tous les premiers boss sans donner les fèves, et je les donnerai après pour le final. Je pense que je vais faire ça. Bon, c'est par où, par contre, le tuyau pour s'en aller? Comment on va à Toddville? Ça sert à rien, peut-être par là. Non, c'est pas par là, je crois. Je vais les voir, mais je sais plus. C'est presque pareil, d'accord, merci. Non, c'est pas par là. Salut Céline, merci. Coucou Kerwendo, je te suis depuis au moins 4 ou 5 ans maintenant. Je trouve ça génial que tu sois resté authentique depuis tout ce temps. Ça fait du bien de se replonger dans l'univers Nintendo. Et bah, ça te fait peut-être du bien, toi, de voir mes vidéos et de te replonger dans l'univers Nintendo. Moi, ça me fait énormément de bien de recevoir ce genre de commentaires. Merci à toi. Alors, où est... Il y en avait un dans la forêt. Je vais aller dans la forêt, je le trouverai bien. Kirby, imagine Jibanyan dans Smash Ultimate. Si les licences level 5 avaient pas été autant boudées par Smash Bros, j'aurais pu y croire. Là, j'y crois pas beaucoup, malheureusement. Mais il y avait un leak qui disait que ça allait être un perso de Dragon Quest, le prochain perso. Ça m'énerve comment on retourne à Toddville. À chaque fois, je suis perdu sur la map. C'est ouf. Où il est où le tuyau pour revenir dans le... Bah, de toute façon, je m'en moque d'aller à Toddville. Moi, je veux juste aller dans le ventre de Bowser. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué au jeu, surtout pas venu dans cette zone. Ah, y'en a un là. Comment j'y vais? Attendez, mais ça c'est grave long. Non, mais c'est une blague. Mais what? Non, mais c'est une blague. Faut que j'aille au lac, hein, sinon tout là-haut. Oh là 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 là, quand je vois la caméra faire tout ce chemin, je me dis waouh, ça va être long. Bon, c'est pas grave. Il y a des rumeurs disant que le deuxième de DLC sur Smash peut arriver avant l'E3. Peut-être. En fait, il aurait déjà dû sortir, hein, s'ils veulent sortir tous les DLC d'ici février 2020. Mais moi, de toute façon, la date de février 2020, j'y crois absolument pas, quoi. Pour moi, ça va être repoussé. Genre, le dernier DLC, il va arriver en septembre 2020, quoi. Et encore, c'est si on a de la chance. Après, je trouve pas ça si grave que ça, hein, mais c'est juste que effectivement, ça la fout un peu mal de vendre un Season Pass en disant date limite de livraison février 2020 et au final, livrer les gens en septembre de la même année, quoi. Ça me paraît toujours la foutre un peu mal, mais bon, pourquoi pas, hein. De toute façon, ils ont pas le choix, je crois. Ils ont mis tellement de temps à faire le Joker que... Enfin, à faire Joker, pas le Joker. Après, Joker, il y a eu aussi un autre souci. Enfin, je pense qu'ils attendaient justement que Atlus fasse sa... Enfin, présente son truc, quoi. Ils voulaient peut-être pas... Enfin, ils voulaient peut-être pas annoncer le... Enfin, sortir le perso avant que Atlus fasse ses annonces. C'est ouf. Je dois aller où? Mais c'est incroyable. Tu peux
faire du Roblox. J'ai fait du Roblox hier. Attendez, mais je vais péter un câble là. C'est quoi cette histoire? C'est une grosse blague. Non mais attendez, mais il y a un souci. En plus, normalement, je devrais le retrouver. Sinon, Toddville, il y a un tuyau là-bas. Bah ouais, si je vais à Toddville, je vais bien le trouver. On va sur Google Maps. Attends, laisse-moi tranquille, ouais, très bien. Je vais aller à Toddville, hein. À Toddville, c'est sûr qu'il y aura un tuyau là-bas. Après, peut-être que je vais trouver des fèves en chemin, hein. J'en sais rien, il y a quoi là? J'y suis jamais allé. Ah bah. D'accord. Parfait. Il n'y a pas une petite fève dans le coin, non? Ah, peut-être là? Ça, ça a l'air d'être bien une zone à fèves. Et ouais! Bon, je serais pas venu là si pour rien. Si pour rien. Fève viril, en plus, c'est exactement ce qu'il me faut. Parce que le plus important, c'est que je les batte le plus vite possible. Donc, plus j'aurai d'attaque, mieux ce sera. Parfait! 1 km à pied. Oh, en plus, j'avais jamais activé ça. D'accord. Genre sans vraiment m'en rendre compte, j'ai activé un nouveau truc. Du coup, comme ma 3DS est morte, bah rip ma team d'Enma sur Yokawash 3. Ouais, mais le Yokawash 3, tu l'avais sur cartouche ou tu l'avais sur téléchargement de l'eShop? Parce que si tu l'avais sur cartouche, la sauvegarde, elle est toujours sur, sur la cartouche. Hein. Donc si t'as une nouvelle 3DS, tu pourras continuer. Sachant qu'une 3DS, ça coûte pas très cher. Enfin, pas une 3DS, mais tu regardes sur internet, une 2DS, ça coûte pas cher. Une 2DS, je suis sûr, tu peux en trouver à 50€, 60€ en neuf. Hein, donc, ça coûte le prix d'un jeu Switch. J'en sais rien, j'ai pas vérifié, mais il me semblait que les 2DS, les toutes premières 2DS, je sais pas si elles sont toujours en vente, mais elles coûtaient vraiment pas cher. Alors, bah, je crois que c'est là, ouais, Hall des défis. On peut sauvegarder Hall des défis, je crois que même pas en plus. Non mais attendez, je suis... Y a pas de sauvegarde. C'est quoi ça? Derrière cette porte, c'est l'endroit où vivent les cholestérons très mauvais pour la santé. Ok, d'accord. Gros truc tout gras, peut-être vaincu aisément, mais se déplace en bande. Vous deux... Quoi? Mais... Pourquoi il parle en double? C'est bizarre, là. Longuement, passionnément... Mais c'est pas ça, en fait. C'est pas ça que je dois faire. Ça doit être la porte juste à gauche. Bon, tais-toi, on veut pas rentrer. Par contre, il faut que je trouve une sauvegarde. Elle est où, la sauvegarde la plus proche? Franchement, ça, sur ce jeu, c'est vraiment le plus gros souci que j'ai avec le jeu. C'est les points de sauvegarde. Genre, t'en trouves jamais. À chaque fois t'en as besoin, t'es obligé de refaire un chemin de 2 km pour retrouver un point de sauvegarde. Genre, le truc le plus stupide, c'est qu'il n'y a pas de point de sauvegarde dans le forum des Toads. Ça me paraîtrait juste l'évidence. C'était le point central du jeu. Pourquoi il n'y a pas de point de sauvegarde? Je ne comprends pas. Les new 2DS sont trouvables vers 115 et une 2DS c'est moins de 80€ neuve. Ouais bah voilà. Après une new 2DS ça sert pas à grand chose. Hein. Enfin la new 2DS elle est mieux, elle est plus ergonomique. Mais en vrai si t'as pas beaucoup d'argent, une 2DS ça fera tout autant l'affaire. Après on ne peut pas sauvegarder quand on veut. Je sais, prends le tuyau jaune pour le village des Toads. T'as raison, je vais sauvegarder au village des Toads. Mais c'est complètement stupide le fait qu'on puisse pas sauvegarder où on veut. Et, ou qu'il n'y en ait pas dans le forum des Toads quoi. Selon vous, où est-ce qu'il aurait pu emmener ce tuyau? Ça m'a toujours intrigué. Genre il y a un tuyau rouge cassé ici. Où est-ce qu'il aurait pu emmener en vrai? Je me demande bien, tiens. Il n'y a aucune zone pourtant sur la map où on va pas avec Mario. Oh non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça que je vais faire. Donc je sais pas, hein. Ça se trouve, ils y ont jamais pensé, ils se sont juste dit, tiens, ce serait stylé s'il y avait un tuyau rouge cassé. Ouais, d'accord. J'ai pas suivi la série, donc je suis un petit peu perdu. Alors, si t'as pas suivi la série, tu vas te spoiler l'intégralité des boss, là. Parce qu'on va justement battre tous les boss du jeu en version plus dure. Enfin, tous les boss de Mario et Luigi. Y a pas le même truc pour les boss de Bowser, malheureusement. C'est un truc qu'ils auraient dû ajouter dans le jeu, d'ailleurs. Mais bon, dommage. En tout cas, vous êtes 369. Merci à vous tous. N'oubliez pas de laisser des pouces bleus.
N'oubliez pas aussi que si vous voulez me soutenir, dans la description de la vidéo, il y a un lien Utip. Et sur ce site, sur Utip, vous pouvez regarder des publicités sur ma page. Et à chaque fois que vous regardez des publicités, ça me soutient financièrement. Donc voilà, si vous avez du temps à perdre, je vous en serai infiniment reconnaissant. Alors, bienvenue dans le hall des défis. Attendez, juste avant, je vais quand même changer... Ouais, je vais changer le fond. C'est lequel ? C'est plutôt lui. Attendez, je prends juste quelques secondes. Il y a ma caméra qui dépasse derrière. Ok. Mais attendez, mais c'est pas du tout ça. Bah ouais, c'est pas du tout ça, c'est normal en fait. Je suis en train de mettre le mauvais écran. Ok, très bien. Alors ça déjà, toi... Ok, parfait. Voilà, censé être ça là, et ça. Parce qu'en fait on s'en moque de l'écran du haut, enfin on va quand même le garder, on sait jamais, mais il va pas servir à grand chose. Ok. Et maintenant, l'écran du combat. Comme ça au moins vous verrez l'écran, enfin vous verrez le combat en gros. Très bien. Bon, ça je sais pas ce que je... Oh mince. C'est pas très pratique ce logiciel XSplit. Ça va-t'en. Voilà, voilà. Sur Mario Luigi, très bien. Bref, allez. Derrière cette porte se trouve l'arène de combat. Combattez de puissants monstres pour fortifier votre corps. Fortifier votre corps, ça donne même pas d'XP ce truc, ça fortifie que dalle. Et votre esprit. On dirait bien que. Oh oh, vous avez gagné en expérience. Très bien, très bien. Vous avez gagné le droit d'entrer dans l'arène de combat. Ça me stresse parce que ma caméra, elle est pas centrée. Attendez. Voilà, c'est un petit peu mieux. Je vais lire dans votre mémoire pour créer des monstres encore plus puissants. Et si vous parvenez à vaincre ces monstres, que se passera-t-il? On vous offrira des trophées trop cool et des récompenses incroyables. Et en plus, c'est pas fini? Vous pourrez vous frotter au combat de Titan Turbo. Turbo? C'est quoi ça? Les combats de Titan, c'est choc de puissance colossale en version accélérée. Ça a l'air époustouflant. Si tu le dis. Une puissance imposante, une vitesse écrasante. Saurez-vous résister à la tentation? Saurez-vous repousser les limites de votre technique? Saurez-vous repousser les limites de votre technique? Il vient de le dire deux fois. Voulez-vous tenter le défi? Ouais. Bonne chance. Eh ben, il va peut-être y avoir un point de sauvegarde dedans, non? Ce serait cool, là, pour le coup. Ah, non. Ah, il y a des combats de titans aussi. Si on a le temps, on les fera. Même si je sais pas trop dans quoi je m'engage, hein, mais... Allez, combat de boss, classe numéro 1. Ouais, niveau 40, conseillé pour ça. Ah là là. Bon, en 5 tours maxi, ça va être facile, non? Bon, on va pas perdre énormément de temps, c'est-à-dire qu'au plus vite, je vais utiliser mes attaques les plus fortes, comme ça, on va pas passer 3 plombes. Surtout pour ce genre d'ennemis qui doivent pas être extrêmement forts. Ah, ça... Quoi? Ça a déchargé mes badges? Ah mince, je pensais que je pourrais faire une triple attaque, mais... Bon, bah ça doit être que c'est faisable sans, mais... Ok, d'accord. Très bien, bon. Je me suis spoilé, hein, je sais combien de points de vie Bowser a. Je suis allé voir sur Mario Wiki. Il a 58 000 points de vie, le boss final, donc c'est énorme. Allez. Parfait. Bon, par contre, je sais pas combien il a de vie. Tue le one shot à la carapace verte. Ah bah, j'aurais pu faire ça alors. Non mais j'ai préféré genre faire vraiment le plus sûr possible. Mais je vais changer d'attaque alors pour le prochain. Parce que il y a pas mal d'attaques que je ne connais plus. Et ce serait bien que je les refasse. Parce que si genre j'arrive contre Bowser et que je loupe mes attaques, ce serait quand même un petit peu nul. On dirait vraiment Birdo. Vous êtes d'accord avec moi quand même, non? Ce perso, mais depuis que j'ai joué à la version sur DS, hein, me rappelle énormément Birdo. Genre je sais pas, la bouche, le ruban, on dirait genre Birdo Wendy, quoi. De toute façon, les deux se ressemblent déjà. Vous avez gagné un trophée, vous remportez 600 pièces et une pièce d'équipement écharpe acharnement. Ok, très bien. Record de tour, 0. C'est parti, maintenant, classe numéro 2, et on est contre... Ah!
Ah, lui, je pourrais pas utiliser directement ma super attaque. Parce qu'il faut, quoi déjà? Faut que je détruise les petites boules, c'est ça? Ça marche avec le truc de feu? Je suis pas sûr. Si? Si, ça doit marcher, ça. Attendez, on va voir. J'en sais rien du tout. Allez. Vas-y, Mario. J'espère juste que ça va pas lui redonner des vies. Allez. Ah non. Ah non, ça marche pas comme ça. Ça marche comment, alors? Faut en attaquer un? Je sais plus. Bon, comme ça, je saurai pour la prochaine fois. Mais en fait, on peut pas tous les attaquer. D'accord, ok. Faut les attaquer les uns après les autres. Donc, ça va être Mario, Mario. C'est à quelle vitesse, ce truc? Ok. Non, mais sérieusement. J'avais bien compris qu'il attaquait, mais je me suis fait avoir par le timing. C'était plus rapide que je le pensais. 170 points de dégâts, c'est quand même pas mal ça, non? Allez Luigi, vas-y, on s'en moque duquel on détruit. Le tonneau marche bien contre lui. J'avoue. T'as raison, j'utiliserai peut-être le tonneau alors contre... parce qu'après faut les refaire à la fin. J'ai pas fait gaffe. Bon, c'est pas grave, il suffit de faire la contre-attaque avec les deux en même temps et ça suffit. Quoi? Pourquoi? Ah, on peut attaquer que ceux qui sont tout seuls. Non? C'est quoi cette histoire? Ah non, c'est que Mario peut attaquer que Mario et Luigi que Luigi. D'accord, ok, ok. Très bien. C'est bien le moment de s'en rendre compte. Bon, par contre, s'il me fait 8 points de dégâts, genre, c'est rien du tout, quoi. Ok. Parfait. Ouais, la rediffusion du live, elle sera disponible juste après le live, hein, genre littéralement quelques minutes après la fin du live. Donc comme ça, si vous avez loupé une partie, c'est pas grave. Ah bah bien sûr, ça tombe sur Luigi. Ça, c'est pas cool. Ah, parce que Mario, il peut rien faire. Allez, vas-y Mario, loupe ton attaque, c'est pas grave. Salut Clara! Mon dieu, les jeux Mario et Luigi me rappellent tellement de souvenirs. Salut Marika. là, maintenant, je peux tous les attaquer. Là, je crois, hein. Ah oui, si, je m'en souviens. Ah ouais, d'accord, ok. Je m'en suis souvenu, mais pas assez rapidement. Oh non, what? Mais non, mais quoi? Mais j'attends trop longtemps avant de sauter, c'est ouf. Pourtant, c'est pas dur à éviter. Je pense que j'ai utilisé le panier gourmand. Ou alors, faut trouver le vrai. Pas trop. On va utiliser panier gourmand. De toute façon, bon, je les réapprends les boss. Hein. Ça fait longtemps que je les ai fait. Hein. Ce jeu, on y était. Quoi? Il est sorti en décembre ou en janvier? Je crois qu'il est sorti en décembre. Donc ce boss, j'ai dû le faire en janvier ou en février. Non, je sais plus tout à fait, mais ça fait longtemps. Ah, faut que je regarde sur ma 3DS. Parfait! Janvier, décembre, non, janvier. Je crois qu'il est sorti en décembre au Japon et en janvier en France. Donc ouais, ce boss-là, j'ai dû le faire en février. Bon, il est que Furax, il est pas battu. D'accord, je vais m'entraîner. Pourquoi maintenant? Tiens, le masque Boeing, je suis pas sûr de m'en servir, mais on va se réentraîner. Tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, lui. Puis ça devrait suffire à le tuer, hein. S'il est en Furax, c'est qu'il doit plus lui rester beaucoup de vie. Oh, mince, je me suis trompé de bouton. J'ai appuyé sur le bouton B au lieu d'appuyer sur le bouton A. Ah. Mince, je me suis un peu foiré là, alors c'est pas grave, hein. Non, lui il est pas mort. Ah d'accord, moi je vais utiliser la carapace alors. Il est plus fort que je l'imaginais. Non mais stop, voilà, très bien. J'ai encore... Ah non, il a refait ça. Ah mince. Donc vous m'avez dit que le tonneau, ça pouvait être efficace. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Parce que genre, comment Mario peut attaquer le bon? Ça se trouve, ils vont se tromper. On va essayer quand même, hein. On a 9 tours d'avance, mais ils vont peut-être se tromper, hein. Je sais pas. Alors, Mario à gauche et Luigi à droite. Hein. Bah, ils ont pas l'air de se tromper, hein. Tant mieux. Ah si, ils sont un peu trompés. Ah non, c'est bon, ok. C'est juste qu'il en restait plus qu'un. Bon, voilà, parfait. En plus, les dégâts qu'on lui fait quand il est genre assemblé, ça compte pour la suite. Par contre, faut que je revoie ma stratégie pour le battre convenablement après. Je pense que je le battrai avec les barils.
vous avez gagné un trophée. Vous remportez 1200 pièces et une pièce d'équipement écusson conseil. Très bien. C'est quoi là? Janille. Si je perds, je réapparais à la dernière sauvegarde ou je suis juste éjecté du combat? Oh non, pas ça. Ah, j'avais oublié celui-là. Ça marchait comment déjà? Je peux l'attaquer directement là. Non, il y a pas de problème, je crois, au début. On va faire les fenêtres magiques. Non, on peut pas. Il n'y a pas un délire de la... il faut que la baguette soit dans une certaine forme ou je sais plus quoi. J'avais galéré à la comprendre. Je sais plus comment ça marche. Je peux utiliser la fenêtre magique maintenant ou faut que j'attende une autre phase? Attendez. Fenêtre magique. Ok, parce que je me souviens plus, il y avait un délire de genre la baguette, elle faisait un truc et tout. Ok, bah je fais la baguette magique directement. Très bien. Enfin, la fenêtre magique, je m'en souviens plus trop par contre. Ah, c'est comme ça. Bon, je parle pas trop quand je fais les attaques, hein. J'essaye de me concentrer un peu. Yes! Bon, bah elle a pris cher quand même. 1403. Ah, ça suffit pas à la tuer. Donc c'est maintenant qu'il faut détruire le sceptre, c'est ça? Elle regagne pas des vies avec son sceptre? On peut l'attaquer? Ah, je sais plus, je dois attaquer la baguette magique ou je dois attaquer Janie là? Ah, ça fait longtemps. Je sais plus trop. Ma caméra me stresse. Ok. Mais je sais plus. Je dois attaquer la baguette. Et j'attaque la baguette avec une attaque spéciale Je sais pas si. Je sais plus si la baguette, elle a un certain nombre de vies ou c'est un certain nombre de coups qui l'a fait disparaître. Je crois que c'est un certain nombre de coups. Si c'est un certain nombre de coups, ça veut dire que potentiellement les fenêtres peuvent être utiles. Parce que les fenêtres, ça fait des coups séparés. Normal. Tuyau, oh, on va essayer tuyau, tiens, en plus ça coûte moins cher. On va voir si je sais toujours le faire, le tuyau. Allez. Donc Mario est en bas. C'est Mario. Ouais, c'est bien un certain nombre de dégâts, je pense. Mario. Encore Mario? Luigi. Par contre, on l'a pas détruite, hein. Ça c'est pas ouf. Qu'est-ce qu'elle fait déjà? Je sais plus ce qu'elle fait mais c'est pas cool. Ah, c'est Luigi. Ah mince, dommage. Quoi? Comment je fais là moi? Hein? Ok. Aïe. D'accord. Je savais plus. Donc là, normalement, je dois pouvoir détruire la baguette juste en sautant dessus, hein, je pense. On va essayer, mais à mon avis, ouais. C'est bon. Parfait. Bon, bah... J'imagine que c'est pas utile de réutiliser les fenêtres magiques. Hein. On va utiliser juste le tuyau. De toute façon, c'est un peu un entraînement, quoi. Comme ça, je saurai si la fenêtre et le tuyau, ça suffit. J'aurai qu'à utiliser ça après... quand je la ferai dans le boss rush, quoi. Luigi. Mario. 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 Ça devrait suffire, hein, vu les dégâts qu'elle prend, quand même. Attendez, elle a pris que 929. Oui, si, c'est bon, parfait. Et en contre-attaquant, tu la démontes vite. Ouais, j'imagine, mais la contre-attaque, j'ai un petit peu de mal. Enfin, quoi que j'en étais sorti quand je la faisais normalement, mais là, j'ai un peu de mal. 2400 pièces, bah dis donc, ça fait devenir riche rapidement, ce truc-là. Hein. C'est ouf, ça. 0 tour, 6 tours, 1 tour. J'ai galéré sur le deuxième combat. Allez, ça va être qui, là? J'en souviens plus. C'est pas Poubellor? Ah non! C'est les clones de Mario et Luigi. Je les avais oubliés, eux. Ah ouais, c'est galère, parce que genre, ils se régénèrent les uns les autres. Mmh. En fait, faut que je les attaque les deux. Donc, qu'est-ce que je vais faire?
prononcer, faut certainement leur faire le plus mal possible. Ah, ça attaque tout le monde. Faut pas que je fasse un truc qui attaque tout le monde. Bébé étoile, ça coûte cher, bébé étoile. On a que 10 tours. Ah, si on a que 10 tours... Panier, vous pensez que le mieux c'est de faire le panier? Les fenêtres magiques, le problème c'est que j'ai peur que ça en tue un et pas l'autre et qu'après je sache pas trop où ils en sont au niveau de leurs dégâts. Tu Luigi en premier. Ouais, je fais bébé étoile. Je vais faire bébé étoile. C'est l'attaque la plus forte du jeu, c'est la meilleure de toute façon. Allez. Cette attaque, ça me choque à chaque fois qu'il n'y a pas de pénalité quand tu te trompes. Enfin, quand tu envoies les étoiles à côté. Genre, t'as vu que c'est l'attaque la plus forte du jeu. Et en fait, c'est l'une des plus faciles à faire, quoi. Ok, bon, bah, au revoir Luigi. Et il sera peut-être pas mort. Ah bah, avec défense réduite, peut-être que si, quand même. Quoique 842, c'est pas énorme. Ouais, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que je fais? Je continue d'attaquer Luigi ou j'attaque Mario? Je pense que je vais attaquer Mario, hein. Comme ça, au prochain coup, j'attaquerai... Je ferai le panier. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire bébé étoile sur l'un, bébé étoile sur l'autre. Après, je fais panier, panier, panier. Luigi soigne et Mario attaque tout le temps. Ah, il n'y a que Luigi qui attaque. Il n'y a que Luigi qui soigne. Ah, bah si c'est ça, alors ça change tout. Attendez. Je vais quand même ouvrir le wiki Mario. Parce que j'aimerais bien savoir combien de vie il a. Il a perdu combien? Il a perdu 900 en tout, non? Ah, il y a un nouveau sponsor. C'est une surprise, j'en ai même pas encore parlé aujourd'hui en plus. Merci à toi Delphine Amaury d'avoir rejoint la famille des sponsors. On peut tous dire bienvenue à Delphine. Merci à toi. Attends, juste... Gauntlet Boss... Donc, combien il a de vie, Luigi? Il en a 3000. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. 3000, c'est beaucoup quand même. Bah après ça va, s'il reste plus que Mario, ça devrait aller, hein. Sache d'ailleurs, Delphine, que si tu es sur le Discord de la chaîne Kirbendo, tu peux lier sur ton compte, ton compte YouTube, et ça te mettra automatiquement le rang sponsor aussi sur le Discord. Ah mince, j'ai été trop tôt. Ok, parfait. Mais là, il a sa défense de réduite, donc on va lui faire beaucoup plus mal. Bah ouais, le pauvre. Je suis presque triste pour lui. Ah non, il l'avait plus, si, 1300. Ouais, au prochain tour, il sera mort. Je pense que je vais faire panier après, non? Oula! Ok, d'accord. En fait, tout ce qu'il faut que j'évite, c'est le tournis. Faut à tout prix que j'ai jamais le tournis dans ces combats. Si j'ai le tournis, je pense que rien que... Quoi? Il n'y a plus Luigi. Si je me retrouve avec le tournis, je pense que rien que ça, ça pourrait déjà... ça pourrait me faire perdre tout le défi. Donc, allez, Luigi. Et il est parti où d'ailleurs, Luigi? Il est parti se soigner, je sais pas. Mince, ah, j'étais beaucoup trop tôt. C'est ta version préférée de ce jeu? Ouais. Ouais, au niveau graphique, je sais pas trop. Je trouve quand même que les Superstar Saga et Voyage au Centre de Bowser sur DS, enfin, et Superstar Saga sur Game Boy Advance, c'était plus joli. Je préférais le pixel art que cette espèce de 2D, 3D bizarre. Mais sinon, au niveau du reste, je trouve quand même que le jeu est quand même plus dynamique, plus gratifiant, enfin... Je trouve que le jeu est globalement meilleur, puis sans compter qu'il y a quand même un mode rajouté dans chacun de ces deux jeux qui à lui-même donne tellement de durée de vie en plus que genre, enfin c'est ouf quoi. Allez. J'ai l'impression que j'en ai jamais mis autant des étoiles là. J'aime bien le concept des badges. J'avoue, les badges c'est cool aussi. Ils y étaient déjà dans celui de base.
Enfin, pas dans Superstar Saga, mais dans Voyage au centre de Bowser de base, ils y étaient déjà. Bon, il est où Luigi? What? Ok. Oh, il... Ok, d'accord, ça a fait mal, ça. Mais il est stupide, il devrait la garder, l'étoile. Ouh! Mince, j'avais oublié. Je sais pas ce qu'on fait, là. Ah, j'ai compris, ok. J'ai compris un peu tard, mais j'ai compris. Ils font mal, par contre. Moi, je pense que c'est parti pour le panier, maintenant, non? Par contre, j'ai l'impression que je perds vraiment beaucoup de temps sur ce combat. Hein. Je sais pas. On va voir, mais... Parce que là, en fait, je pense que ça vaut pas le coup d'utiliser le bébé étoile pour Luigi. Luigi, il a plus assez de vie. Donc, genre, si j'utilise le truc bébé étoile, genre, je suis sûr de le tuer, mais ce serait des... Mince, ce serait des PF gâchés, quoi. C'est quoi le Mario bizarre? C'est un ennemi, c'est les souvenirs de Bowser. Allez, Luigi. Non, non, mince. Ah, d'accord, très bien. Ah non, 625, c'est énorme en plus. Non, bah j'aurais dû continuer de m'acharner sur Luigi. Hein. Bon, bah on continue avec le panier gourmand. Je sais pas ce que je ferais en fait comme technique. Hein. Je sais pas trop. Parce que la technique que j'ai là, elle me paraît pas suffisante. Hein. Après, Luigi, il doit lui rester rien du tout. Hein. Il doit lui rester moins de 100 PV. C'est ça le plus rageant en fait. Non, je vais pas aller chercher celui tout là-bas. Ok, très bien. Est-ce que tu vas essayer de speedrun Cuphead si tu as une journée à perdre? Non. Non, c'est trop dur comme jeu. Ah bah c'est bon! Non! Luigi, mais sérieux! Ah non, c'est bon, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Comment je me disais, mais c'est pas possible, pas survivre à ça. J'ai eu beaucoup de chance là. Effectivement, c'était un coup de chance qui arrivait exactement au bon moment. Hein. Alors, maintenant, classe numéro 5, puis classe numéro 6. Mais c'est qui là? Là, c'est peut-être Poubellor, non? Ouais, c'est ça, Poubellor X. Et après, c'est l'étoile noire. Je sais plus comment ça s'appelle en français, mais... on regarde nos PF à chaque fois? J'ai l'impression. Bah écoutez, on va pas tergiverser, on va y aller avec bébé étoile. Hein. C'est le mieux. Allez, Luigi. Aïe. Ah, j'avoue, j'en mets soit une trop tôt, soit une trop tard. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu Mimi et Talo. Bah, sur Instagram, des fois, je mets des photos d'eux. Et ils vont bien, hein. Ah, qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils vont pas lui redonner des vies. What? D'accord. Ok, alors le truc, il était littéralement sur moi, mais il m'a pas eu, bah très bien. Non mais attendez, mais ça va s'arrêter, là, ou quoi? Parfait. Ah oui, tiens, d'ailleurs, effectivement, attendez. Parce que justement, ça, c'est une référence au jeu Mario et Wario, je crois. Mais quoi? Encore un nouveau sponsor? Mais attendez, mais qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Bah merci, Emmanuel Whale. Genre, aujourd'hui, en moins d'une heure, il y a déjà eu deux nouveaux sponsors. Bah merci à vous tous, genre, j'en reviens pas. C'est ouf. Bah, bienvenue à Emmanuel. attendez, je voulais voir un truc parce que c'était Mario et Wario. Et donc dans Mario et Wario, c'était Mario qui avait le saut sur la tête, c'était pas Luigi. Mais alors on jouait Luigi... Ah ouais, ok, d'accord. Okay, bon. Bref. Bon, ça attaque tout le monde, ça, ou pas? Non, ça en attaque qu'un seul. Elles servent à quelque chose, les petites poubelles? Faut les tuer ou pas, ou je les ignore? J'ai peur que si je les tue pas, il se passe un truc, quoi. Genre, ils gagnent des vies ou je sais pas quoi. Hein. Comment ça? Oui. Oui, quoi? Kev, t'as pas remarqué que t'as eu 1000 abonnés de plus cette semaine? Peut-être. Peut-être. J'ai pas l'impression d'avoir eu plus d'abonnés que d'habitude, mais... Fais YOLO sur la poubelle. YOLO, c'est quoi? C'est bébé étoile. Je dois tuer les bébés poubelles ou pas? Non, ils font rien, les bébés poubelles. Bon, on s'en moque des bébés poubelles. Allez.
à quand une nouvelle vidéo sur Kirby Ditto? Bah quand il y aura de nouveaux jeux Nintendo. En vrai, à la fin du mois, il y a plein de nouveaux jeux qui sortent. Le problème, c'est qu'à la fin du mois, je vais en France. Donc comme je vais en France, je ne pourrai plus faire de vidéos pour ma chaîne secondaire. Mais comme je serai en France et que j'ai plein de moments de... Comment de... Enfin, où j'ai pas grand-chose à faire... Et bah j'en profiterai pour écrire les vidéos de Kirby Ditto. Comme ça quand je reviendrai de France, je tournerai les vidéos que j'aurai écrites. Parce qu'il faudra déjà que je teste Super Mario Maker 2, Yo-Kai Watch 4, puis je sais pas, il y aura probablement plein d'actualités autour de l'E3, etc. Donc ça va revenir, hein. C'est juste que jusqu'à maintenant, bah j'allais pas faire des vidéos pour parler de vide quoi. On leur fait 0 points de dégâts en contre-attaque, c'est grave nul ça. Ok. Bah ça servent à rien ces poubelles. Bref, allez, on continue avec Bébé Étoile. Les bébés poubelles peuvent manger Luigi. Ah bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais bien éviter que ça arrive. Allez. Ah, là, j'ai eu le bon timing. Mais bien, mais c'est ouf. J'en ai loupé qu'une depuis le début. Ah, j'en ai loupé une deuxième. Mais je crois que j'ai jamais loupé si peu d'étoiles. Là, j'en ai loupé que deux. C'est rien du tout. Hein. Combien on lui fait? 816, il est pas mort. Mais bientôt. Oula, 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 non, non, non. Va-t'en, Luigi. Il a eu chaud. Bon, bah là, on va refaire la même attaque, hein. Bébé étoile, c'est vraiment l'attaque la plus pétée du jeu. D'ailleurs, elle était optionnelle, non? Je crois, bébé étoile. Je sais plus comment je l'ai débloquée. Mais je crois qu'elle était optionnelle. Je sais plus. Si c'est le cas, bah, je regrette pas d'être allé la chercher. Hein. Ah mince. J'en ai loupé une bêtement. Bah, après, ça change pas grand chose. Hein, parce que les dernières étoiles, généralement. Mince, okay. Elles font 2 points de dégâts. Donc tu t'en moques. Hein. Genre, les 5 dernières, tu peux les louper. C'est pas grave. Bon, là, je pense qu'il est mort. Hein. Poubelle or, c'est ma maison quand ma sœur et moi avons oublié de sortir les poubelles. Ah. Yes. Et voilà, il est mort. Ça lag de ouf quand tu utilises bébé étoile. Et effectivement, ouais. Je l'avais déjà noté durant mon esprit normal, mais ouais, ouais, c'est incroyable. Après, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais je pense que c'était il y a super longtemps. C'est ce qu'on m'avait appris... Ok, c'est l'un des trucs qu'on m'avait appris dans ma boîte de développement jeux vidéo. Parce que bon, je le redis pour le contexte, hein, ceux qui savent pas, mais j'ai travaillé dans une boîte de création de jeux vidéo avant de faire des vidéos sur YouTube. Et on m'avait expliqué un jour que le fait qu'un jeu lag, c'est pas forcément mal. Des fois ça l'est, mais il y a des moments où ça peut être pas forcément volontaire, mais en tout cas conservé dans le build final du jeu. Par exemple, là, pour le coup, le fait que ça lag... ce soit pas si mal, parce qu'en fait, déjà, c'est un moment où c'est qu'une cinématique. Donc en gros, t'as pas d'input à faire, toi t'as pas besoin de réagir, t'as déjà fait toutes tes réactions avant, donc si le jeu lag, c'est pas grave, toi ça peut pas te déranger au niveau des touches que tu dois appuyer sur les jeux. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que, après c'est qu'un truc que la plupart des vrais gros joueurs ressentent, hein, parce qu'effectivement, quand t'es un joueur quasiment occasionnel, t'as vraiment l'impression que c'est un gros bug, mais quand t'as l'habitude de jouer à beaucoup de jeux, et surtout beaucoup de jeux d'arcade, quand un jeu se met à laguer parce que t'envoies des attaques super puissantes, ça peut avoir justement un effet gratifiant, parce que tu peux te dire « What, je suis tellement balèze que j'arrive à faire laguer le jeu !» Et c'est ce qu'on m'avait expliqué à l'époque, justement. Et là, pour le coup, ça c'est ce que je ressens. Pour le coup, le fait que ça lague quand tu utilises l'attaque avec les étoiles, c'est pas gênant parce que t'as plus rien à faire au moment où ça lague, et je trouve pas ça non plus gênant au niveau du... enfin, de ce qui se passe à l'écran, parce que tu te dis c'est ouf, genre j'ai été tellement balèze que j'arrive à faire laguer le jeu. Et donc après, bon, c'est dommage, ça arrive à chaque fois, mais pour le coup, je trouve qu'au contraire, justement, là, c'est pas si mauvais. Bref, alors, voyons voir. L'astre noir, j'avais oublié, en or en plus. Salut Hippo le déconneur, il y a un nouveau Mario Luigi sur Switch, c'est une question ou pas? Parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de nouveau Mario Luigi d'annoncer sur Switch, hein, mais ça arrivera peut-être. Hein. Alors, comment ça marche, lui? Je crois qu'au début, je peux pas l'attaquer, si. Je sais plus comment ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Comment ça marche, déjà? Faut détruire ces machins-là, non? Je sais plus. Je sais même plus les attaques qu'il me fait. Hein.
Ça fait grave longtemps. Alors, ça paraît assez logique ce qui va se passer, mais... Ok. Bon bah c'est simple en fait là. Ok, donc je dois tuer les deux petits bonhommes, c'est ça? Non, qu'est-ce que vous faites là? Aïe. Oh non! Oh non, il manquait plus que ça. Non, c'est bon, il s'est relevé. Il est trop beau l'astre noir X, mon dieu. Salut Kaoui. Panier gourmand. Moi, je pense qu'il vaut mieux faire le panier gourmand, comme ça je me débarrasse des deux bonhommes qu'il y a derrière. Sans attaquer celui qui est devant, parce que celui qui est devant, il sert à rien. Enfin, je peux lui faire de dégâts pour l'instant. Donc allez. Après, je sais pas combien ont de vie les petits bonhommes, mais un petit panier gourmand ou deux, ça devrait suffire à les tuer. Antasma, c'est le cousin de l'astre noir. Je ne crois pas, mais ça aurait été cool qu'il fasse une petite backstory comme ça. Mais je crois pas, non. Tous les boss de Mario et Luigi, genre, ils sont chacun indépendants les uns des autres. Hein, ils ont rien à voir. Hein. Yes. Le prochain live sera sur quoi? Probablement Yokawatch Blaster T. Cette semaine, je vais farmer la pièce suspecte pour essayer de débloquer le... Il est pas mort? D'accord. Pour essayer de débloquer le truc, enfin la dernière zone. Et ah, ok, d'accord. Non, mais c'est une blague! Non, mais attendez, là. Mais c'est une grosse blague. Qu'est-ce que tu fais, toi? Je connais pas cette attaque, j'ai jamais vu. Ah, bah ça a peut-être relevé Luigi. Ah non, ça l'a pas relevé, d'accord, ok, très bien. Ah, bah ouais, bah très bien! Très bien! Manquait plus que ça, le tournis est tombé, c'est. C'est vraiment pas ouf. Après, je m'en moque un peu parce qu'en fait, il suffit que je tue lui et Luigi, il va se relever. Ouais, pas grave. Ah, mais je lui ai fait pas grand-chose. Hein. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais effectivement pas du tout dû faire ça. Bon, bah, Luigi, tu vas prendre cher, là. Désolé, hein. Aïe. Aïe, mais y a pas que Luigi qui prend cher, là. Hein. Attendez, c'est une blague. Il faut que je saute avec tout le monde, là, parce que sinon, je vais me faire avoir à chaque fois. Sur quel jeu tu feras ta prochaine série? Bah, je sais pas trop. Yokawatch 4, probablement, c'est lui le prochain jeu à sortir. Ok, parfait. Mais pff, je vais utiliser une attaque frère pour détruire le petit bonhomme qui est derrière, ça sert à rien. Ouais, bah si, allez, de toute façon, en lui sautant dessus, je lui faisais... je lui fais aucun dégât, donc... Ok. Ils ont beaucoup de défense, hein, ces boss. C'est surtout ça. En plus d'avoir énormément de vie. Allez. Yes. En 317, il peut pas survivre à ça, quand même. Voilà. Non. Quoi? Ah oui. Bah si, cette attaque, il le faisait déjà de base. Je sais même pas. Ah, c'est bon. Donc là, il a perdu sa protection. Donc maintenant, c'est là qu'il faut que je l'attaque de ouf. Parce que sinon, après, il va se régénérer. Il va pas regagner des vies, je crois qu'il regagne pas de vie, mais il va faire revenir son bouclier, quoi, et vaudrait mieux pas. J'ai l'impression que je galère, quand même. Ça va être dur quand il va falloir battre tous les boss les uns après les autres. Non, oui. Parfait. Combien il a de vie, lui? En plus, on lui a pas fait baisser sa défense. Bah si, mais tout à la fin, d'accord. 615, c'est rien du tout, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, d'accord, ok, très bien. Il a combien? Il a 3400. Quoi? Pourquoi il y en a deux différents? Ah non, il a moins de vie que dans la version normale. 3400, ça reste quand même beaucoup. Hein, ouais. Bref, allez, c'est reparti. Je sais pas combien de tours j'ai avant qu'il se réveille, mais... Comment tu t'appelles sur Roblox? Sur Roblox, je m'appelle Kirbendo le vrai. Kirbendo le vrai. Mais si c'est pour m'ajouter, j'accepte personne sauf les sponsors sur Roblox, parce qu'on peut mettre que 300 personnes dans sa liste d'amis et j'ai déjà énormément d'invitations, donc j'accepte que les sponsors, désolé. Allez, là il a sa défense baissée, donc c'est pas mal. Mais il va même pas prendre 1000, hein. Je sais pas, c'est de coups de chance, j'ai l'impression. 646? Quoi? Mais c'est rien du tout. Oh
Oh là là, ça va être super chaud. Ça me gâche des tours, non? Je lui fais absolument pas assez de dégâts. Et c'est mon attaque la plus forte, quoi. J'ai pas le choix, hein. J'ai pas mieux. Après, ouais, bah, ça dépend de toute façon énormément sur la chance, parce que, genre, si tu fais un coup chanceux sur le premier coup, tu lui fais le double de dégâts sur le premier coup, et c'est énorme. Mais, enfin, il faut avoir de la chance, et là, deux fois de suite, je l'ai pas eu. Hein. Et là, toujours pas, hein. 644. Ok, pour une fois, j'y suis arrivé. Surtout qu'il est même pas Furax, attendez, il a perdu. Genre même pas la... Il doit avoir perdu 1800 points de vie là. C'est genre à peine la moitié. Pff... Oh là là là. En plus Luigi normalement il est censé en avoir plein des points moustache pour faire les coups chanceux mais apparemment pas assez. Là, j'en ai loupé que deux encore une fois, je crois, ça va, hein. Il paraît qu'il y aura un Mario et Luigi sur Switch. C'est tout à fait possible, hein. Là, on a eu de la chance. Là, c'était bien. Mais il va lui falloir un coup de plus et chanceux, hein. 828, c'est pas assez. Bon, alors là, ça va. Parce que de toute façon, c'est pas le boss final. Donc, je peux utiliser ça. Enfin, parce que de toute façon, ce sera Rez après. Donc allez, je l'utilise et là, je le finis. Mais ça va être chaud quand on va être contre le vrai boss. Hein. Bref, allez, c'est parti. On n'aura pas le temps de faire les combats de titans aujourd'hui. Hein, mais si, si ça vous dit, on refera peut-être finalement un autre live sur le jeu pour faire les combats de titans. Ah non, mais... Oh, je les mets tous à côté, c'est pas possible. Là, j'en ai loupé pas mal. Hein. Allez, coup de chance sur le premier, allez. Non, de toute façon, il est mort même si je fais pas de coup de chance. Bah ouais, 1089, c'était certain. Non? Non? Oh, si, 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 c'est son attaque d'autodestruction, d'accord, il est mort. Il est mort. Vas-y. Et il me tue d'ailleurs, si... Si j'arrive à me faire prendre par le truc, il me tue complètement ou pas? Ou il me met à 1 PV? Je sais pas. Il y a un badge trop bien, mais le... Ce badge-là est déjà trop bien. Il me fait gagner 3 tours, ce badge, hein, quand même, mine de rien. C'est genre extrêmement fort. Hein. Je pense que quand j'arriverai contre le boss final, ça va être extrêmement efficace. Hein. Bon, je vais les sauvegarder, alors. Parce que là, on a débloqué le dernier et on a 35 tours pour battre tous les boss. Plus Bowser X. Par contre, j'ai pas besoin de regagner de vie, si. Ah non, j'ai regagné tous mes vies et tous mes PF, c'est bien ça. Merci en tout cas pour, pour votre soutien. C'est quoi cette attaque qui fait 1000? Elle fait 1000, mais elle était triplée, hein. Attends, elle était triplée. Normalement, elle doit faire 3 fois moins. Et d'ailleurs, elle peut potentiellement même faire 2000. Parce que là, j'avais triplé le nombre de points de dégâts que je faisais. Et si en plus de ça, j'avais eu un coup chanceux, ça doublerait ce qui est déjà triplé. Donc, elle pouvait faire 2000 sur le premier coup. Hein, mais il y a peu de chance. Kier, tu sais que Bowser X a... Ouais, je crois qu'il a 8000, quelque chose comme ça. Attendez, je vais vous dire exactement. Je crois que non, il a 5000, quelque chose comme ça. Attendez, il a combien Bowser X? 5800. 5800 PV. Donc ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Surtout qu'en plus, il n'y a pas que ça. J'ai vu sur le Mario Wiki qu'il regagnait des vies à un moment. C'est obligé. Tu peux pas, à moins de hacker le jeu et lui faire 9999 points de dégâts d'un coup, il est obligé de regagner des vies dès qu'il passe Furax. Bon, allez. Ok, Luigi était bloqué en hauteur. Oui, oui, je suis prêt, allez, me refais pas ton speech, là, je le connais. Oui, oui, j'ai le courage. Maintenant, le terrible Bowser X, le boss le plus dur de Mario et Luigi, voyage au centre de Bowser. Est-ce que ce ne serait pas d'ailleurs le boss le plus dur de tous les Mario et Luigi? Je me demande, je me demande. Sur Dream Team Bros, j'avais fait justement le boss rush avec vous en live, et je m'étais finalement pas si mal sorti parce que j'y étais arrivé du premier coup.
On avait aussi tenté le boss rush sur Paper Jam, mais on l'avait pas fini. Pourquoi on l'avait pas fini? Parce que j'avais d'abord battu tous les boss, et après il fallait les refaire, et j'avais la flemme. Mais on pourrait le faire un jour peut-être, ouais, ça vous dit, genre en souvenir du bon vieux temps. On pourrait. Attendez, parce que si je faisais autant que j'ai fait, ça fait 0, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... J'ai battu tous les boss en 14 tours. Ben, c'est pas si mal que ça, parce que ça fait qu'il me resterait 20 tours pour battre Bowser. En fait, c'est largement faisable. Après, le seul souci, c'est que, à mon avis, entre chaque combat de boss, je ne vais ni regagner de PV, ni regagner de PF. Donc, je vais devoir sacrifier des tours pour regagner mes PV et mes PF. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon... Je pense qu'on peut y arriver quand même. Niveau recommandé, 45 quand même. Donc, Bref, c'était avec quoi que... Attends, Aurélien, tu m'avais dit... Paper Mario Switch, ce serait cool aussi, mais... On verra, ça va peut-être, il y aura peut-être des surprises à l'E3. Auré, tu m'avais dit que je pourrais y arriver en faisant les triples carapaces. Mais sérieusement, tu penses que je peux battre elle en faisant la triple carapace? Ça me paraît chaud quand même. Quoi qu'elle a que 575 PV? Non, ouais, j'en sais rien. Hein. Parce que ça me permettrait d'économiser des PF, mais ça me paraît quand même... ça me paraît risqué. Hein. Parce que... Ouais, elle en a que 500 des PV, mais la carapace, ça fait rien du tout. Non, je vais pas faire 100, si. Tu la butes avec la carapace en étant level 33. Ouais, écoute, on va y aller, hein. Allez. Je ne crois pas. Non. Mais c'est pas grave parce que j'ai pas perdu de tour en fait. Je peux le refaire. J'ai pas perdu de tour. Et en plus, ça me permet de charger ma barre en bas. Donc en fait, c'est pas si mal comme technique. Là, t'es morte, non? Oui! Ah, j'ai eu peur. C'était chaud quand même, hein. C'était chaud quand même. Il était possible que j'y arrive pas, hein. Genre, si je reviens, je ferai peut-être pas la carapace la deuxième fois. Donc là, vous avez dit que les barils, c'était pas mal. Donc on va commencer par faire les barils. J'ai regagné mes PF? On dirait que oui. Nul, Germain, nul. Kier, est-ce que tu pourrais me faire une dédie à la fin? Bah, les dédies, c'est à la fin du live et je fais un peu au hasard, donc on verra. En tout cas, merci aux 539 personnes qui sont là ce soir, ça me fait super plaisir. N'oubliez pas de laisser des pouces bleus et de vous abonner, hein. Non, le boss le plus dur des Mario RPG, c'est Culex. Non, mais... j'ai pas dit des Mario RPG, hein. J'ai dit le boss le plus dur des Mario Luigi, hein, parce que Culex, je peux pas le comparer, je l'ai jamais fait. Mais en même temps, c'était une autre époque, hein. Genre déjà, quasiment tous les boss de Mario RPG sont déjà plus durs que leurs équivalents dans Mario Luigi et Paper Mario. Tu es en train de battre Bowser X et tu es en stress. Bon courage à toi, Liliane. Il est 16h, je sais, encore une heure de live, mais ça devrait aller, à moins que je perde, ce qui est possible, hein, on ne sait pas. Oh non, ils sont mal répartis, là. Alors là, j'ai grave pas eu de chance. Ok. En fait, c'est une question de hasard, les barils cloneurs. Hein. Bon, c'est pas grave. On va continuer comme ça coûte pas très cher. C'est mieux que de leur sauter dessus, je pense. Mais c'est une question de chance. Hein. Ouais, dommage. C'est pas ouf, hein. Aïe. Est-ce que je refais les barils cloneurs? Bah ouais, il y en a 3, hein, ce serait pas mal. Hein. Ouais, allez. Il est mort, voilà.
Parfait. Bon, surtout qu'en plus, mais oui, on a commencé à lui faire des dégâts pour les phases suivantes, donc c'est plutôt pas mal, finalement. Hop, il est tout seul. Bah, très bien, qu'est-ce que je vais y faire, alors? Je refais un bébé étoile. Fenêtre... Attends. C'est quoi le... Bébé étoile, c'est quand même beaucoup plus fort que fenêtre magique. Ah, fenêtre magique, c'est bien quand il y a plusieurs ennemis. Quand il n'y en a qu'un seul, je suis pas sûr que ce soit très efficace. Donc, allez, on fait bébé étoile. C'est ça la différence en fait, fenêtre magique ça doit être bien quand il y en a beaucoup parce que comme ça tu fais beaucoup de dégâts à tout le monde. Alors que bébé étoile tu fais beaucoup de dégâts qu'à un seul. Ce qui est quand même assez ouf parce que genre à la fin tu fais une espèce d'onde de choc gigantesque. Mais elle fait de dégâts à personne. Quand une énorme étoile tombe sur le sol ça fait moins de dégâts que quand Luigi obèse tombe sur le sol. Regardez l'explosion de ouf. Mais elle tue personne. Mais elle tue pas les gens qui sont autour. Ah, j'aurais... Ah bah quoi, déjà? Bon, bah, très bien, d'accord. Parce que je l'avais quand même tué en 6 tours, hein, à la base. Là, je l'ai tué en 2 tours, non? Sage Janie. Janie, j'avais fait quoi? Janie, j'ai commencé par faire bébé étoile. Et après, je vais faire... quand il y aura la baguette, je ferai le... Quoique le tuyau, ça n'avait pas suffi. Ouais, mais si, ça ira. Allez, allez, allez. Je vais pas faire les fenêtres, elle est toute seule, donc je pense que c'est pas... Enfin, je pense que c'est quand même mieux de faire des étoiles, hein. Non, mais sérieusement. D'accord. Surtout que les fenêtres, ça te fait économiser qu'un seul PF, donc... c'est rien du tout, un PF. Genre, c'est pas ça qui change la donne à la fin. Oui, elle est toute petite, effectivement. Ah, là, on a eu de la chance, hein. Faire 1150 au début avec le coup de chance, ça, c'était ouf. Ah bah, elle est déjà Furax. Malheureusement, tu peux difficilement la tuer en un tour, quand même. Sauf peut-être si t'es niveau 50, j'en sais rien, mais sinon, c'est dur. Elle a combien de vie, déjà? Elle a 2300, c'est dommage. Je l'aurai bientôt. Voilà ce qu'on avait fait. C'est tuyau tournoyant. Faut que je me concentre. Oh, je suis... Oh, j'avais peur de m'être trompé. Ok, d'accord. Mario. Mario. Luigi. Là, c'est le dernier coup, je crois. Luigi. Oui, parfait. C'est dommage qu'on le détruise pas. On est à un coup de le détruire. Ça, c'est bien. C'est bien d'avoir chargé le truc. Dommage! Mais je sais pas si je lui fais des dégâts en retour. Hein. Bon, je vais essayer de la contre-attaquer, là. Même si je pense pas la tuer, quand même. Faudrait que je lui fasse 1000 points de dégâts. Enfin, pas 1000, mais... Ah mais oui, mais ça détruit la... Ah mais oui, mais c'est vrai. Ça détruit la baguette, ça. Elle est morte? Non. Non, non. Non, elle est pas morte. Alors, je pense que le mieux, vu que de toute façon, j'ai un tour de gâché, ce serait de regagner des PF. Maintenant, j'ai qu'un seul ultra sirop. Mince. J'aurais dû faire le plein de sirop. Qu'est-ce que j'ai fichu? Je vais pas perdre juste parce que j'ai pas pris d'ultra sirop avec moi. Bon, allez, tant pis, ça. Ah, ça serait bête quand même. Bon, et maintenant, Luigi, bah, on va faire le tuyau tournoyant, non? Je pense que ça devrait suffire le tuyau. Parce qu'après, il y a encore beaucoup de boss. Je vais pas avoir assez de PF. Ah, les sirops sont limités par arène. Ah, bah d'accord, c'est pour ça. Ah, parce que je me disais, ça, enfin, ça aurait été pété. Mario. Encore Mario. Là, elle est morte déjà, je pense. Mario. Ouais, là, c'est bon, c'est bon. 1239. Non, si. Oh, j'ai eu peur. Si, si. De toute façon, quand la baguette disparaît, c'est bon, elle est morte. Ouf. Pour le prochain, faut que je fasse le météore pour poubelle or. Ah non, pour eux. Vous voulez que je fasse le météore? Si vous voulez. Ok. Je sais plus combien ça coûte, mais on peut y aller.
Metteur mystère, ça coûte 16. De toute façon, faut juste que je les fasse baisser tous les deux. Hein. Bon, le météore, par contre, je loupe de temps en temps. Hein. Baisser l'attaque, c'est plutôt pas mal. Bon, ça a attaqué chacun d'entre eux deux fois, donc c'est pas mal. Il s'est juste repoussé. Il a perdu 300 et 400 l'autre. Et ils ont combien de vie? 3000 et 2500. C'est Mario qui a le moins de vie. En fait, c'est pour ça. C'est pour ça que tout à l'heure, Mario faisait que de mourir et Luigi lui redonnait des vies. En fait, j'avais fait à peu près le même nombre de dégâts à chacun d'entre eux. La différence, c'est que Mario a 500 PV de moins que Luigi. C'est pour ça, en fait. Bref, qu'est-ce qu'on fait? On refait... C'est un peu nul en fait le... Après ça coûte pas très cher mais... Je sais pas. Je pense que je peux refaire le météore mystère et après je ferai une attaque puissante sur Luigi. Je pense que je vais faire ça. Ouais on récupère des objets avec le météore mais... Les objets que je récupère... Enfin c'est bien mais ce que je veux dire c'est que... Enfin... Le mieux serait que je les utilise pas les objets en fait de base. Attaquer Luigi et lui faire un coup chanceux, c'est le mieux. C'est le mieux. Ah puis c'est en plus pour avoir un ultra champi, waouh. 619 sur Luigi, ça c'est pas mal. Ah ouais, mais il y a aussi ça ce délire, c'est que Luigi il se barre. Et comme il se barre, après bah je fais des dégâts qu'à Mario et mince. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Non ! Non ! Mince, mince, mince. Ça, c'est trop du gâchis de tour. Ok. Non. Pff, ok. Désolé, Luigi. Bon, on va recommencer à faire le météore, alors, non? Oh non, ça, j'aime pas du tout. En plus, je crois que ouais, ça s'arrête pas tant que t'as pas sauté sur le bout, hein, on dirait. J'ai perdu des vies trop bêtement. Bien. Mais parfait, mais ils attaquent le bon, mais... Non, 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 ça c'est nul. Oh, bien. J'ai réussi à le sauver alors que je croyais que c'était mort. Bon, bah c'est parfait. Là, Luigi, il doit être presque mort, il a plus rien du tout, hein. Bah on va refaire le météore. Hein. Ça c'est le combat qui me rapporte des objets. Hein. Par contre j'aimerais bien avoir des sirops plutôt que d'avoir genre des champis. Ah c'est bon là Luigi il doit être mort. Hein. Mais non. Mais les champignons up je... Non, sérieusement, il est pas mort. Puis il est parti. Oh c'est nul parce que je perds beaucoup de temps là. Bon, bah là. Le problème c'est que. En fait, non, le mieux c'est que je le finisse pas. Hein. Bah ouais, faut pas que je le finisse. Ouais, allez, on va pas le finir. Gagner des vies. 40 PV. Ouais, allez. Parce que si je le finis maintenant, Luigi va venir et va la ramener à la vie, donc il faut pas. Hein. En plus, il va... Oh mince, il va lui donner 600 PV. C'est énorme, 600 PV. Ok. Très bien. Mais Mario n'est plus là, donc ça sert à rien d'attaquer en haut. Mais non, mais sérieusement. Bah ouais, bah j'ai pas le choix, hein. Il va mourir le pauvre. Non, même pas. D'accord, très bien. Au moins, je charge l'attaque en bas. Mais Luigi, tu fous quoi? Tu reviens quand? Aïe, d'accord, très bien. Ça se fait pas quand il met pas de pièces. Quand il met pas de pièces, il attaque directement Mario, je crois, ou celui qui reste, en tout cas. Oh non.
Ça fait vraiment mal, ça. C'est n'importe quoi. Bon, on en a bientôt fini ou pas, là, quand même? Ouais, le bon étoile redonne tous les PV et PS, mais c'est pour ça... PV et PF. C'est pour ça qu'il faut l'utiliser en dernier ressort. Hein. Ok, là, ils sont morts tous les deux, non? Champi miracle, merci bien. Non! Mais attendez, mais ils ont beaucoup plus de vie que... C'est trop bizarre, je comprends pas. J'aurais dû faire bébé étoile en fait sur Luigi dès le début, j'ai l'impression que je perds des tours. Non mais là Luigi il est obligé de mourir, attendez. Ok c'est bon Luigi, mais on est pas Mario. Incroyable. Aïe. Bon alors là ce serait bien que Mario regagne des vies. Ouais. Ok très bien. Et Luigi lui il va le finir. Il va le finir avec un truc qui coûtera pas cher. Il va plus avoir de vie Mario. Enfin, le méchant Mario, il doit revoir rien du tout, hein, littéralement. Tuyau tournoyant. Le badge, je les utiliserai dès le début du prochain combat. Hein. Pas au tout début, mais... Ok. Allez, 655, c'est bon, parfait. Oh, j'ai perdu pas mal de temps. Mais là, c'est Antasma. Ah non, c'est Poubellor, j'avais oublié Poubellor. Oh. Ouais, bah j'utilise le truc dès le début. Hein. Je vais pas avoir trop le choix. Ouais. Oh, j'ai plus beaucoup de PF. Hein. Bon, c'est pas grave, allez. Bébé étoile. J'aurais peut-être dû attendre un tour en fait parce que histoire de lui faire peut-être baisser sa défense de base. Mais bon, tant pis, c'est fait. Faut que j'en mette un maximum là, j'ai pas droit à l'erreur. Je n'en ai loupé qu'une. On n'a pas eu le coup de chance, vous imaginez 2220 points de dégâts. On a eu zéro coup de chance d'ailleurs sur tout le truc. Très bien, bon par contre il a perdu le tiers de ses vies. Hein. Aïe. Ok. Non, bouge, 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 ouais. Parfait. Le truc aurait été dur s'il y avait vraiment une onde de choc après avec le tomp, mais genre même pas, donc là il y a limite moyen que... Non, je le tuerai pas en un coup, mais je peux le tuer en un tour, je pense. Un peu... En deux bébé étoiles, je pense que je le tue. Allez, on va avec une bébé étoile maintenant, puis après on fera une autre attaque, je pense, en fait. Pas une autre bébé étoile, faut qu'on les garde pour Bowser. Merci en tout cas à ceux qui disent que je suis trop fort, mais je pense qu'il y a mieux quand même. En même temps, j'ai fait des erreurs, mais ces boss, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Hein. Faut les connaître aussi. Mais il y a moyen qu'on y arrive. Là, on a quand même encore 27 tours, il nous reste que 3 boss, lui il est presque mort. Allez, il va lui rester rien comme vie, attendez. 922. Oh non, il va lui rester genre quelque chose comme 30 PV. Aïe, d'accord. Parfait. Bon bah alors je vais utiliser une attaque nulle. Hein. Enfin pas nulle mais... Non, attends. Je vais utiliser un truc qui coûte vraiment pas cher. Probablement pas les... Ah, bye Delphine, à la prochaine. Probablement pas les carapaces parce que les carapaces malheureusement, j'ai l'impression que ça fait pas tant de choses que ça. Casque Bouing, non?
tuyau, allez. Ok, on va faire le tuyau. Allez. Faut pas que je me loupe. Mais il doit rien lui rester comme PV. Hein. C'est bon, normalement ça devrait l'avoir fini. Hein. Oui, j'avais bien calculé. Il lui restait genre une centaine de vies max. Parce qu'il avait que 3080 PV de base. Et donc au début j'ai fait genre 2000 et après j'ai fait 1000. Donc enfin un tout petit peu moins de 2000 je crois au début. Donc, Bref. Alors. Qu'est-ce que je fais? Pour commencer déjà on peut pas l'attaquer. Donc ça peut être le moment pour utiliser bah, des sirops, mais bon. J'en ai presque plus des sirops. Ah là 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 là. Mais le badge, mais quel badge? De quel badge vous me parlez? Ah, le badge pour faire la triple attaque, là? Mais non, faut pas que je le fasse, parce que... Attendez... Enfin, là, je peux pas le mettre, parce que de toute façon, le boss, je peux pas l'attaquer. Enfin, pour l'instant, je peux pas lui faire de dégâts, donc... Mais ça va être chaud, hein. Ça va être vraiment chaud. J'ai pas de badge qui permet de regagner des PV, des PF. Régénère 80% des PF de Mario Luigi. Mais ça remet la barre à zéro, non? En fait, j'aurais dû le mettre plus tôt. Parce que... Enfin... Oh là là, je sais pas. En plus, si je le mets, ça me retire... Non, ça me retire pas celui que j'avais déjà chargé, mais... je pense qu'il faut que je le mette quand même. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. J'aurais dû le mettre plus tôt, mais... Je pense que je vais en avoir obligatoirement besoin, sinon le boss je pourrais pas le battre. Bref, alors panier gourmand. Mais comment je vais l'attaquer après lui? Je pourrais plus rien lui faire. Bon allez, panier gourmand, c'est parti. Ramasser là, celui qui est tout à droite, je me demande bien comment tu fais pour le ramasser. En fait, genre super rapide, puis tu risques d'en louper après 4 sur le côté, donc on passe 3 sur le côté. Zéro coup de chance. Très bien. Bah, ça veut dire qu'il faut que je refasse un panier. Bah ouais, hein. C'est dommage, je sais même pas combien ils ont de vie les petits, mais je sais que quand je leur saute dessus, ça les tue pas. Donc ils doivent avoir 400 ou 500, un truc du genre. Je dirais entre 400 et 500 PV, ouais. Ouais bah si, on peut le ramasser, hein. Je me sous-estime. Allez, 420, ouais d'accord. Donc effectivement, fallait que je sacrifie 2 tours pour les tuer. Alors j'aurais été dégoûté là qu'on fasse un coup de chance alors qu'ils étaient déjà morts, hein, mais bon, ça va, ça va. Alors là on se pose pas de questions, faut toujours sauter avec tous les persos. Genre tu sautes pas avec juste le perso de l'ombre, tu sautes avec tous. Comme ça c'est plus simple. Qu'est-ce que tu fais là? Mais attendez, mais il fait combien d'attaques par tour lui? Là, faut que je lui renvoie les petites boules. Non, mais pourquoi? Attendez, c'est une blague! Mais il vient de me faire perdre un tour ou quoi? Parce que là, je peux rien faire! Non, mais c'est une grosse blague! Bon, ça charge la barre en bas, non? Ouais, ça va. Ok, mais il m'a fait perdre un tour. Hein.
Très bien. Faut le faire pour les louper là, les petits trucs étoilés, hein. Quand même. Voilà, salut. Non, c'est pas une blague, bah j'aurais préféré. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Je peux faire un bébé toile, après Luigi il aura pas assez pour faire des bébés toiles, donc faudra faire d'autres trucs. Mais ok, c'est parti. Il a combien de vie? 3420. C'est pas mal. Allez, coup de chance, coup de chance, coup de chance. Salut, Dro. Non, 290, c'est rien du tout. 573 points de dégâts. Non, mais c'est littéralement rien. Aïe, ok, très bien. Bah ouais, Luigi, il peut même pas le faire, alors... Ah là là. Là, je suis dans une situation assez délicate. Mais sur les coups chanceux, ça a été vraiment nul là aujourd'hui. Hein. Bon, par contre, je vais bientôt pouvoir regagner mes PF, ça c'est pas mal. Faudrait que je m'en débarrasse avec le triple truc, non? Si je fais pas le triple coup, ça se trouve, je le tuerai pas. Hein. Mais il se régénère, non? Est-ce qu'il sort de sa boule à un moment? Parce que sinon, j'ai quand même 3 tours d'avance, mais attendez, je lis le truc. Ouais, il peut se régénérer, il peut sortir et refaire son bouclier. Non, il est pas bientôt mort, hein. Il a perdu à peine 1000 PV. Enfin, il a perdu un petit peu plus de 1000 PV, il en a 3420. Donc, non, il peut jamais... Attendez, vous me dites non ou oui? Est-ce qu'il peut sortir? Attendez, je suis en train de lire le Wiki Mario parce que... si, ils doivent le dire, mais... Ouais, il peut. Bah ouais, parce que le problème, c'est que je vais perdre énormément de tours. Hein. Si jamais... Surtout que j'aurai plus assez de PF après pour... Oh là là. Il faut que j'utilise bébé étoile, hein. J'ai pas le choix. Mais est-ce que je le triple? Qu'est-ce que vous me conseillez? Vous conseillez que je triple l'attaque ou pas? Si je triple l'attaque, je peux le tuer en un tour. Ou pas? Non, je le tue... Non, même pas, même pas. Moi, je suis obligé, si je le fais pas, il va se réveiller. Hein. Après, je pourrais plus tripler les attaques sur Bowser, mais bon, bah, il n'y aura pas trop le choix, hein, de toute façon. Hein. Je peux pas faire autrement. Allez. Faut que je fasse de mon mieux, là, faudrait que j'en loupe quasiment aucune. Encore une fois, j'en ai loupé que 2, donc ça va, mais... Ouais, bah, même en triplant l'attaque, je suis pas sûr qu'il va pas se réveiller, hein. On sait jamais, hein. Ok. Parce que là, maintenant, je fais quoi? Je vais pas faire des attaques standards. Bah, là, je ne peux faire que des attaques standards. Mais non, mais c'est pourri, je fais même pas 100 points de dégâts. Il en a que 27. Je sais pas ce que je vais faire contre Bowser. Hein. Je crois que...
je crois que c'est mort parce que contre Bowser, je pourrais rien faire du tout. Je pourrais l'attaquer en lui sautant dessus. C'est tout ce que je pourrais faire. Ah, mais c'est vrai que j'ai le truc étoile là. J'ai le bonbon étoile. Je fais le... Le problème du météore, c'est que déjà il coûte plus cher, et en plus de coûter plus cher, le tuyau je peux en faire deux, alors que le météore je peux en faire qu'un. Et le tuyau, le météore déjà je loupe de temps en temps, puis en plus le météore il va rien me donner de bien. Je refais bébé étoile. Ouais, allez, allez. Non mais c'est sûr que je le bats lui, hein, par contre c'est sûr. Même si ça me prend les 22 tours qui restent, lui je vais le battre, c'est une certitude. Ce qu'il y a juste, c'est qu'il faut que je le batte le plus rapidement possible, parce que sinon ça va être vraiment impossible contre Bowser. J'aurais dû peut-être mettre un objet d'équipement qui fait que mes badges se remplissent plus vite. Parce que en bas, genre mes PF ils mettent trop de temps à revenir. Ou alors j'aurais dû mettre un objet d'équipement qui me redonne des PF. Bon là je pense qu'il est mort. Ah quoique. Quoique. Il est mort. Très bien. Très bien. Allez. J'ai jamais été si loin là. Je sais pas où ils sont les frères mais... Yes. Bon. On a eu, je sais plus comment elle s'appelle, l'étoile machin truc là, Bowser X. Ah. Les choses sérieuses commencent, enfin, si elles n'avaient pas déjà commencé. Et Bowser commence à attaquer d'ailleurs, je ne connais pas ses attaques. Ah si, ça je connais. Attendez, mais qu'est-ce qu'il fait après? Il les enflamme pas ces... les Goombas? Si, qu'est-ce qui se passe après quand il les enflamme? Je sais plus. Ah, je sais plus du tout. Donc lui c'est le vrai boss final secret hein. Ah il me tombe dessus mais... Ah d'accord, très bien. Ah c'est vrai on lui renvoie dessus. Ouais par contre attendez hein, Bowser il a 5800 points de vie hein. 5800. Je note 5800 comme ça on saura à peu près où on en est au fur et à mesure du combat. J'ai marqué 58000, heureusement qu'il n'a pas 58000 PV hein. Bref, alors, qu'est-ce que je fais? Je commence par utiliser le bonbon étoile quand même sur Mario dès le début, ça me paraît quand même un petit peu inutile, il n'a pas perdu de vie Mario. Bah, sinon j'ai le choix entre un super sirop qui gagne, qui donne 35 PF. Waouh. Oh, je sais pas ce que je fais. Je pense que je vais devoir utiliser le bonbon étoile sur Mario. Hein. Luigi, qu'est-ce qu'il va faire? Luigi utilisera le super sirop sur lui-même. Super sirop, ça donne 35, hein, c'est pas 65, c'est 35, c'est rien du tout. J'avoue que spammer la carapace, ça pourrait être une bonne chose. Mais le problème, c'est que là, je suis autour de Mario. Donc, s'il faudrait, ça aurait été mieux que ce soit autour de Luigi. Comme ça, Luigi aurait donné le sirop à Mario. Mario aurait utilisé la carapace. Comme ça, on lui aurait fait un petit peu plus de dégâts. Parce que là, si c'est Luigi qui donne le dernier coup de la carapace, on fait moins de dégâts que si c'est Mario. Et genre, beaucoup moins. Donc, Et si j'utilise le super sirop sur Mario, bah, faut que j'attende le tour d'après pour que Mario puisse réutiliser la carapace. Je pense que je vais utiliser le bonbon étoile. J'utilise le bonbon étoile et le super sirop j'utilise sur Luigi. Je pense que je vais faire ça comme ça. Luigi il va faire que de faire la carapace. Et Mario, il fera que d'utiliser les grosses attaques, quoi, bébé étoile, tout ça. Hein. Ouais, allez, 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 allez. J'ai 22 tours, donc j'ai encore plus de tours que la dernière fois. Hein. Luigi, toi tu utilises le super sirop. Parfait. 22 tours, c'est beaucoup, mais ce qu'il y a, c'est juste que j'aurai... Peut-être pas du tout assez d'XFA de PF. What? D'accord. Très bien. Très bien. Oh non, non.
Ah, fallait rester à... Oh, mince. Oh, j'avais oublié qu'il fallait rester appuyé sur le bouton, mais c'est ridicule. Je viens de perdre la moitié de mes PV. C'est ridicule. Bref, bon bah allez, bébé étoile. En plus, je savais qu'il fallait sauter sur le truc là, mais rester appuyé. Pourquoi elle m'a pas prévenu? Et bien sûr, pas de coup chanceux, donc on lui a fait pas grand chose. Ah, par contre, ça a bien rempli la barre, ça c'est bien. Qu'est-ce que... Quoi ? Oh, misère. Bon, carapace verte. Il passe son Furax quand il lui reste quoi, la moitié de sa vie ou le tiers? Il me prend ma carapace. Merci Bowser, ça fait plaisir, tiens. Aïe! Mais comment je sais qu'il loupe, moi? Non, c'est parce qu'il avait soufflé, là. Mais tous les PV que j'ai perdus. En fait, c'est pas à cause des tours que je vais perdre. C'est à cause de mes points de vie, hein. J'aurais vraiment pas dû utiliser mon bonbon. Hein. J'aurais dû attendre un tour de plus, histoire de voir ses attaques. Ok, très bien. Parce que là, je fais quoi? Je sacrifie un tour pour regagner des vies? 40 PV, c'est rien du tout. Bon, allez, vas-y, Luigi. On continue avec la carapace. Ah bah non, on peut pas continuer avec la carapace. Et la fleur de feu, d'ailleurs, ça lui fait des dégâts à Bowser, ou comme il est de type feu, il en regagne des vies? Parce que genre, je me suis fait déjà voir plusieurs fois hein, des ennemis de type feu qui en regagnent des vies quand tu leur envoies des trucs à la fleur de feu. Je vais peut-être pas faire ça alors. Le météore, ouais, mais le météore il coûte cher. Hein. Ouais, mais on sait jamais ce qu'on peut avoir là. On va prendre le météore. De toute façon, je regagne des PF juste après alors. Allez. Bon. Ultra cacahuète. Bon, ça va. Quoique c'est que 40 PV, mais bon. La météorite. Rip. Mais il les rend à un moment, les attaques, ou pas? Aïe, ça marche comment, ça? Quoi? D'accord. Ah ouais, mais ça, il prend pas de dégâts. Cette attaque est pas très dure, mais le problème c'est qu'il prend pas de dégâts de contre-attaque. Bon, il s'arrête? Ok, très bien. 19 tours, il s'est même pas régène. Qu'est-ce que je fais? Je regarde pas mes PF maintenant, hein. Mario il en a bien trop. Bah, les fenêtres magiques, hein. Fenêtres magiques, allez. Il regagne pas des PV parfois, il regagne des PV à un moment. Et j'ai des coups de chance sur des attaques qui font rien du tout. C'est pas là que je veux avoir des coups de chance, moi. Mince, aïe. Ah. Je veux avoir des coups de chance sur l'étoile, là, sur le premier coup de l'étoile. Toujours pas Furax. C'est assez désespérant. La balle roulante, j'y arrive pas. Hein. Bon, alors la fleur de feu, non, il n'y a pas de type. Bon, on va la faire. De toute façon, il va nous la voler, alors vas-y.
Mais Bowser qui crame, c'est bizarre quand même. Hein. Oh mince. 119 PV, c'est rien du tout. Et en plus, ça fait pas beaucoup charger la barre. Hein. Adieu la fleur de feu. Ouh non! Ah bah t'es mort. Adieu. Bon, c'est pas si grave que ça, parce que je lui redonne tous ses PV. Mais je perds un tour quand même. Bon, bref. Panier gourmand, ça sert pas à grand chose. Bah ouais, mais... Bon, les tuyaux tournoyants. Je me demande vraiment si je vais y arriver. Hein. Allez, Furax, Furax, mais non, toujours pas. Combien de vie il a perdu? Non, ça, ça va, ça on peut lui faire des dégâts de contre-attaque en plus. En jouant bien en plus, je crois que je peux lui faire 100 points de dégâts de contre-attaque, donc ça va. Mais il rend jamais les attaques, j'ai l'impression. Après, j'aurais plus aucune attaque frère à lui faire en fait. Et d'ailleurs, je viens d'y penser, mais genre, on est en train de combattre un Bowser à l'intérieur de Bowser. C'est pas un peu chelou? Ok. Là, on en a eu beaucoup. Je sais pas combien de dégâts on lui a fait, mais on lui en a fait beaucoup, hein. Mais j'ai plus rien, regardez! C'est trop nul! La balle roulante, c'est bien, je sais plus comment on fait. On peut pas s'entraîner? Ah, on peut s'entraîner, tiens. Voyons voir. Balle roulante, ça marche comment ce truc? Alors. Ok, j'appuie sur A. Ah! Oh, bah ça va, ça a pas l'air si dur! J'ai absolument aucun souvenir de cette attaque, j'ai l'impression de l'avoir jamais fait de ma vie. D'accord, ok, ça a pas l'air si dur que ça. Ah, il rend les attaques quand on l'attaque avec le marteau. Attendez, déjà je vais faire le truc roulant, mais... Faudrait d'abord qu'il passe en Furax comme ça après. En fait, faut que Luigi l'attaque au marteau parce que Luigi, on s'en moque, il fait pas beaucoup de dégâts, mais. Ah, mais non, mais de toute façon, ça change rien pour certaines attaques frères. Bon, c'est pas grave. Bon, ça va, coup de chance! 273, c'est tout? Tu m'étonnes que je l'ai jamais utilisé cette attaque. Elle est nulle. Alors, donc, si je l'attaque au marteau... 70? Eh bien, pardonnez d'attaque. Donc là, il va se louper. Ok, très bien. Parfait. J'ai compris. Voilà, mais elle est extrêmement facile à éviter, cette attaque. Je suis dégoûté de m'être fait avoir la dernière fois. Ce combat ne peut pas durer 18 heures parce que dans 16 tours, c'est fini. Il faut vraiment que je l'attaque en fait au marteau avec Mario parce que... Faut qu'il me les rende, là, mes attaques. Mais non, vous êtes sûr, ça marche pas, hein. Aïe, d'accord, ok, très bien. Non, vous racontez n'importe quoi. Ok... Là, je crois que c'est presque mort. Hein. J'ai dû dépasser la moitié du combat. Il a pas perdu la moitié de ses vies. Ah,
ça suffit là. Ça c'est ultra facile. Yes, c'est bon. Bon bah là il regagne ses vies. Parfait. Bowser est revenu à 5800 PV. Il le fait qu'une seule fois. Hein. Et c'est pas avec le marteau hein, en fait. C'est juste au bout d'un certain temps. Hein. D'ailleurs il me les a redonnés au même tour. Hein. Il me les a redonnés au même tour. Oh, ça va être chaud alors. En fait ouais c'est pas le marteau. Hein. C'est pas le marteau. Bref bon allez on y va. Parce qu'au même tour, il m'avait volé la carapace et le truc étoile, donc non, peut-être... Si, je crois que si. Je sais plus. Bon, alors, il prend quand même des dégâts, là. Pas suffisamment. Aucun coup de chance à l'horizon. Très bien, 414. Il y aurait 5386 PV. Qu'est-ce que je fais? Casque Boeing? On peut l'utiliser, il me le rendra. Le rouleau, c'est quoi le rouleau? Je passe ça comme attaque le rouleau. Hein. Bon, allez, casque Boeing. En fait, les PF ne servent pas tant que ça. Hein. J'aurais dû changer... là, vu que j'ai des trucs de recharge de PF d'avance, j'aurais dû changer pour mettre le truc de la triple attaque. Je pense que maintenant, c'est trop tard, non? La triple attaque, je l'aurais pas, de toute façon. Je sais pas combien de dégâts je lui ai fait, mince. J'ai oublié de noter. Mince. Ok, parfait. Donc qu'est-ce que je fais alors? Merci pour ça. Je remets le truc de la triple attaque. J'aurai peut-être le temps, 14 tours. Ça paraît chaud quand même, mais on sait jamais. Hein. Je lui ai fait 127, ok. Donc attendez, j'attends votre réponse. Qu'est-ce que je fais? Je remets le truc qui me permet de faire une triple attaque. Sachant que c'est quand même le truc qui met le plus longtemps à charger. Hein. Parce que le truc des PF, je crois que ça sert plus à rien. Sans, enfin, quoi que... Peut-être que si, on sait jamais. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Il y en a qui disent comme tu veux, vous voulez pas être responsable. Mais si je le mets en 14 tours, j'aurai le temps de le charger. Ok, bon, alors... C'est lequel? C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Sinon, il y a 6 fois plus puissant. La 6 fois plus puissant, c'est... Là, c'est sûr que j'aurais pas le temps de le charger. Et si je savais que ça existait, j'aurais chargé à l'avance. Bon, je mets le truc d'attaque, alors... Auré, qu'est-ce que tu en dis? Je remets le truc d'attaque là ou je laisse le truc de PF? Sachant que j'ai déjà un truc de PF de chargé d'avance. J'ai pas encore utilisé. Parce qu'en fait ce qu'il y a c'est que les PF ça aurait été bien si j'avais fait que d'attaquer le boss avec la triple étoile là. Mais le problème c'est que la triple étoile je... Enfin pas la triple étoile mais le bébé étoile. Mais le problème c'est que le bébé étoile bah, je peux l'utiliser qu'une fois tous les 10 tours. Donc surtout pas. Il y en a qui disent surtout pas.
Je sais pas, qu'est-ce que je fais? Le badge 6 fois plus puissant, c'est mort. Le badge 6 fois plus puissant, je sais que je pourrais pas le... Tu peux tenter attaque, mais garde les étoiles de côté. Ouais. Ouais, dans ce cas-là, ouais, mais j'ai plus bébé étoile, mais il va me le rendre en 14 tours, il va me le rendre. Mais attendez, mais vous dites surtout pas et d'autres disent fais-le. Vaut mieux pas. Bon, je le fais, je le fais. Voilà, tant pis. Alors... Surtout que j'ai rien comme attaque, c'est ouf. Bon, allez, on y va avec Baril Cloneur. Attendez, non, Mario, il peut faire Météore. Il peut faire Météore. Faut pas que je loupe mes attaques. Mais je fais aucun coup chanceux. 75 points de dégâts. Même si j'avais PF à l'infini, en lui faisant 75 points de dégâts par tour, je le tuerais pas, hein. Voilà, j'ai fait combien? J'ai fait combien en tout? 379. En fait, ouais, le gros problème de ce boss, c'est qu'il nous vole nos attaques. Le fait qu'il nous vole nos attaques, et bah, ça rend le truc vraiment presque impossible, quoi. Parce que ça fait que là, maintenant, j'ai plus que 3 attaques différentes. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Mon carapace verte. Il a 4797 PV. Waouh. Là, il va louper, il va louper. Ok, parfait. Il va louper encore. Parfait. Merci, mais ça sert strictement à rien. Ça, c'est un petit peu plus utile. Bon, bah, allons-y, hein. Surtout que ça charge en plus bien mon pouvoir, donc ça c'est cool. Et ça, dans l'original, cette attaque elle était à l'infini. J'aurais duré, enfin elle était pas à l'infini, mais genre elle s'arrêtait pas tant que tu loupais pas la commande. Donc ça faisait qu'en fait, genre tu pouvais battre ce boss juste en faisant dès le premier tour cette attaque. 404. Il a encore 4393 PV, il me reste 13 tours. Et lui, Luigi, bah, il peut pas faire grand chose. Hein. Luigi, je pense que ce qu'il vaudrait mieux qu'il fasse, j'en ai plus de. Ah bah j'ai plus de sirop du tout. Donc il peut même pas donner un petit sirop à Mario. Hein. Ou à lui-même. Bon bah alors marteau. Hein. 42. Ah mais ça je peux pas compter les dégâts que je vais faire dans la contre-attaque parce que je vais pas faire le calcul de tête. Je vais pas faire des additions pour chacun des. Chacun des Goombas que je lui renvoie. Hein. Mais ça peut être cool. C'est quand même cool qu'il fasse cette attaque. Parce que s'il y a énormément de Goombas, je peux lui faire genre je sais pas 200-300 points de dégâts. C'est bien. Hein. Surtout que d'habitude j'y arrive bien à la contre-attaque de celle-là. Hein. Les pauvres Goombas qui se font carboniser. Faut les envoyer sur Mario, pas sur Luigi. Aïe. Aïe. Je sais pas combien je lui ai fait. C'est rien du tout. Peut-être même à peine 100 en fait. Ok, cool. Bientôt, je pourrais utiliser mon truc qui me redonne 80%, mais pas tout de suite, tout de suite. Tuyau tournoyant, hein. Baril Cloneur, ça peut aussi bien me charger. Bah, tuyau tournoyant aussi, hein. Quoique, Baril, ça le fait probablement même plus. Donc, allez, Baril.
J'ai fait 150, hein, peut-être. Oh non, j'aime pas cette disposition. J'ai l'impression de lui faire rien du tout. 228. Il a 3973 PV. À peu près, hein. Bon, bah... ce serait peut-être le temps de regagner un petit peu de vie, non? On ne sait jamais. Mario, il a tout, hein. C'est étonnant, hein, mais Mario, il a toutes ses vies. Ah, mais c'est parce qu'il était mort. C'est pour ça. C'est dommage qu'on puisse pas faire de contre-attaque sur ça. Enfin, je sais pas de quelle façon on pourrait, de toute façon, mais... genre, le feu, il fait demi-tour et il va l'attaquer. Impossible. Tuyau tournoyant, allez. Je suis super concentré, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas été autant concentré que ça. Combien? 293. Mais j'ai vraiment l'impression de lui faire, mais genre une pichenette, quoi. C'est ouf. Je sais que j'ai un badge de chargé, mais il me donne 80% de mes PF. Donc il faut pas que j'utilise maintenant, parce que... ah, quoique... ah, si, parce que comme ça, Luigi pourra commencer à attaquer aussi. Je veux pas l'attaquer, je veux pas l'utiliser maintenant parce qu'en fait je veux attendre que Mario ait moins de 20% de ses PF restants. D'ailleurs c'est peut-être déjà le cas. Mais comme je sais pas, comme il n'y a pas marqué sur combien, je veux pas le faire maintenant. Je vais faire un dernier tour et je le ferai au prochain tour. Luigi, vas-y. Là, Luigi attaque une dernière fois au marteau. Et au prochain tour on le fait comme il faut. Enfin on fait, on utilise... le pouvoir de notre badge. Bien! Ça, c'est bien. Tu pourrais pas cramer tous les Goombas? Ça m'aiderait. Si à chaque attaque, il cramait tous les Goombas, je pense que je pourrais gagner assez facilement, là. Mais il est quand même sacrément nul, hein, parce que quand c'est moi qui utilise cette attaque, les Goombas, je les crame tous, hein, ou j'en loupe un ou deux, quoi. Mais lui, par contre, il crame la enfin, il loupe la moitié des Goombas. Allez. Sur Mario. Ah mince. Je sais pas combien je fais, mais mince. J'ai probablement encore une fois fait 150, hein, quelque chose comme ça, hein. Je pense, à peu près. Allez, c'est parti. On regagne les PF. Ok, alors, ce qui est en fait pas extrêmement utile, puisque de toute façon, bah, je peux pas faire énormément d'attaques, frère, mais on va utiliser la balle, et après le panier. Salut, Tstou. Ouais, balle, panier, et après on fera la fleur de feu. Ça marche comment, déjà? Ok. Quand je pense que cette attaque, je l'ai littéralement jamais fait de tout le jeu. Mince. Ok. Il a toujours plus de 3000 PV, hein. Le gros problème, ça va être vraiment que je vais me retrouver à court d'attaque frère. Il y aura rien que je pourrais lui faire après. Je pourrais que l'attaquer au marteau en lui sautant dessus et c'est pas avec ça que je vais gagner. Hein. Ce qui est bien dommage. Oh.
Ok, j'ai eu peur. Il y a 600 personnes sur le live, vraiment? Surtout que je vais probablement pas y arriver, mais... Bon, donc comme on a dit, on n'utilise pas Bébé Étoile. Bébé Étoile, on... Ah, quoique, bah si, je peux l'utiliser maintenant. Bah ouais, si, je peux l'utiliser en mettant ça. Bah ouais, parfait. Allez, très bien. Très bien. Comme ça, il me l'aura peut-être rendu avant la fin du combat, en plus, Bébé Étoile. Ça va être efficace. Ça va faire du bien. Enfin, ça va pas faire du bien à lui, mais à nous, ça va nous faire du bien. Faudrait vraiment un coup de chance. Faire un coup de chance, c'est ce qui pourrait vraiment nous sauver. À la limite, on peut lui faire perdre, genre, le tiers des vies qui lui reste, là. C'est pas... Non, c'est pas assez, hein. Mais c'est pas mal, il va avoir perdu 1000, non? 1188, d'accord. Non, il lui reste 1820 PV apparemment. Ok. Mais je vais être en manque de PF, hein. Alors, attendez. Il reste 9 tours. En continuant comme ça, je sais que je peux avoir à nouveau la triple attaque. Mais, j'aurais peut-être pas assez de PF. Donc est-ce que je devrais pas repasser avec le badge DPF? Le problème, si je repasse avec le badge DPF, c'est que j'aurai peut-être pas assez d'attaques à lancer. Parce que peut-être qu'il me les aura toutes volées. Dans tous les cas, s'il me vole mes attaques, que j'ai des PF ou que j'ai pas de PF, ça change rien. Donc il vaut mieux que j'ai les PF. Je pense qu'il vaut mieux que j'ai les PF. Je pense. Ouais, je pense que le mieux, c'est les PF. Hein. Si, si, Anto. Je pense que le mieux, c'est les PF, parce que... Parce que... Quoique... Non, non, non. Parce que si j'arrive à ravoir la triple attaque... et que je garde assez de PF pour que Mario fasse Bébé Étoile, je peux y arriver. Je pense que c'est ça que je vais faire. Luigi, on s'en moque de ses PF, il peut tous les perdre, c'est pas grave. Mario, il lui en reste encore pas mal, il doit lui en rester au moins 80 ou 90. C'est dommage qu'on puisse pas le voir. Ah si, on peut, non? Non, je peux pas. Ah si, 98. Donc comme il en a 98, Mario, il suffit que je lui en garde les 22 dont il y a besoin pour faire une Bébé Étoile. Et comme ça, j'aurai la triple attaque et je finirai par Bébé Étoile. Parce que Bébé Étoile, il va probablement me la redonner à la fin. Ou avec Luigi, on s'en moque, mais faut que l'un des persos garde 22 PF. C'est 22 PF, Bébé Étoile, on est... Je vais vérifier, je sais plus si c'est 22 PF ou genre 20, 23, quelque chose comme ça. Attendez. Mario Luigi, Bowser Inside Story. C'est chaud, hein. Mario Luigi spécial, Star. 28, ça coûte 28. Il y a marqué 28 sur le Mario Wiki. Mais pourtant, ça me paraît bizarre. J'ai pas vu 28. Quoi? Ah, peut-être parce que j'ai un objet qui réduit le nombre de PF que ça me coûte, non? Bah oui, vous me dites toutes 22. Moi aussi, ça me paraissait être 22. Pourquoi il y a marqué 28 sur le Mario Wiki? J'ai dû se tromper. Enfin, ça arrive. Bon, allez, on va avec le casque Boeing. Ah non, mince. On peut quand même faire un perfect. 190. Ça fait plaisir. 1630 PV à peu près. En 8 tours, c'est possible. S'il me rend mes attaques, c'est possible. Parce qu'en fait, en vrai... faut qu'on soit honnête, hein, ce Bowser. Quoi, qu'est-ce qu'il fait? Je connais pas cette attaque. D'accord, ok, je ne connais pas. What?
D'accord. Ah mince, en plus j'étais plus enflammé. Bon, ça m'a pris par surprise, mais c'était pas si dur que ça. Mince! Ok, d'accord, ça m'a grave pris par surprise. Mais en fait, ouais, ce que je voulais dire, c'est que il est vraiment pas si dur que ça, ce boss. Enfin, il est pas si dur dans le sens où ses attaques, elles font mal, mais elles sont pas si rapides que ça, c'est possible de les éviter assez facilement. Genre, je veux dire, il y aurait pas de limite de tour, je me poserais même pas de questions, hein. Genre, je veux dire, j'aurais gardé le même badge, j'aurais... Enfin, le boss serait vraiment easy. Le problème, c'est qu'il y a une limite de tour combinée avec le fait qu'il nous vole nos attaques, et c'est ça qui le rend dur. Sinon, effectivement, il est vraiment pas si difficile que ça, hein. Par contre, faut que je fasse gaffe que Luigi ne meure pas. Donc Luigi va regagner des vies. On va profiter d'un petit tour pour regagner des vies. Mario, il va pas en regagner parce que Mario, je lui donnerai un champi vie s'il meurt. Et pourquoi ça charge pas la barre de badge? Mince, parce que ce serait pété si ça le faisait. Bon, on lui a refait 150, on va dire. Je pense qu'en fait, j'ai dû lui faire plus que 150. Mais à chaque fois, je vais voir large, parce que comme ça, vaut mieux réduire les dégâts qu'on lui fait plutôt que qu'en compter trop, quoi. Alors, donc Mario, tu vas attaquer normalement avec Météore. Allez, vas-y, météore. J'aime bien quand la météorite elle leur tombe dessus, hein, ça c'est bien. Et aucun coup de chance pour changer. Vas-y. La rediff, c'est juste après. Hein. Enfin, pas immédiatement après, parce que faut toujours que YouTube fasse un peu de traitement pour la vidéo. Mais ce sera quelques minutes après la fin du live. Non! De toute façon, je peux le savoir, s'ils sortent leur marteau, c'est ça. S'ils sortent pas leur marteau, c'est les Goombas. Ouf, je croyais que c'était fini. Je me préparais pas, je croyais que ça allait être terminé. Qu'est-ce qu'il fait? Je dois faire quoi là? Aïe! Ok, adieu Mario. Bah c'est pas dur, hein, c'est juste que ça m'a surpris. Oh mince, mince, mince! C'est un petit peu dur en fait. Je ne veux pas les pièces, j'en ai strictement rien à faire. Ouf! C'est quoi cette attaque de ouf? Oh là là. Bon, on a perdu un tour, mais c'est pas grave, ça nous permet de regagner des attaques, c'est pas si grave que ça. Vas-y, champi DX. De toute façon, je pensais bien que Mario allait mourir une fois de plus, hein. C'est pas grave. Ah bah quoi, Mario peut attaquer, ok, très bien. Bah, fenêtre magique, allez. Je stresse, hein. Je stresse. Par contre, j'aurai pas la triple attaque, hein. Je l'aurai plus, je pense. Ah, c'est pas grave. Je pense que je peux le battre sans avoir une autre triple attaque. Mince, loupé.
Après, heureusement que ça interrompt pas l'attaque. Il lui reste 803 PV. Moins 26. Voilà, on peut les compter. Oh non, oh non, oh non. Mais attendez, je vais devoir éviter les trucs... je vais devoir sauter au-dessus des trucs de feu avec Mario et Luigi. D'accord, ok. Ah, ça va, ça interrompt Mario, très bien. Mince, mince, mince. Ouf! Ah là là. Ben, je pense que je vais passer la plupart de mon temps finalement à me soigner hein, pour cette fin. Quoique je devrais pas en fait, je devrais juste attaquer. Parce que si Mario meurt, c'est pas grave, on en a un autre champion. Ah non, on a qu'un champion. Ah ouais, mais la moitié des PV, c'est déjà pas mal. Mario va attaquer, Luigi va redonner des vies. Allez, on va faire comme ça. Il a plus qu'à peu près 500 PV. Il en avait peut-être même un peu moins. Allez, on se sécurise un peu. Il reste 6 tours, donc je pense que c'est faisable là pour le coup. J'y croyais pas à certains moments, mais... Ah non. En plus, il prend des dégâts comme ça, ça c'est bien, hein. C'est assez imprévisible cette attaque. J'ai du mal à... D'accord. Aïe. Mais Mario, arrête! Ouais, très bien. Non! Adieu encore Mario, dommage. Oh non. Oh, je croyais qu'il allait pas s'envoler s'il n'y avait pas Mario. J'ai eu peur. Ça, ça l'aurait tué le pauvre. Ouais, merci, c'est gentil. Bon, ça va, ça va, ça va. Tuyau tournoyant. J'ai combien de... 50. Ok, 50. C'est bon, c'est bon. Et Kiroa, salut Kiroa, ça va? Ça faisait longtemps que j'avais pas été autant concentré en live, hein. Parce que le moindre faux pas et je peux littéralement perdre, alors que normalement là je peux y arriver. Hein. Je pense que si je fais pas d'erreur, le combat est gagné. Mais on n'est pas à l'abri de faire un truc bête au dernier moment. Il a plus que. Il est mort! Oh non! Oh mon dieu! Selon mon compte, il lui restait 224 PV! J'ai vraiment vu large! Oh punaise! Ah non, c'est trop bien! J'en reviens pas! Attendez, alors avant que on saute dojo, qu'on fasse le bilan ou je sais pas quoi, je vais sauvegarder maintenant! Parce que ma 3DS des fois elle crash, je ne veux pas qu'elle crash alors que j'ai battu le boss. Allez, on se sauve, on croise les doigts pour qu'elle ne crash pas maintenant, allez, on s'en va, on se dépêche. Mais j'ai bien fait de compter toujours... Enfin, en réduisant les dégâts que je lui mettais, comme ça, ça faisait qu'à la fin, genre, j'ai été vraiment surpris de le battre parce que je pensais que il fallait encore un tour de plus, quoi. Bref, mais je reste convaincu que j'ai extrêmement bien fait de changer mon badge pour avoir le badge triple attaque. Je pense que si j'avais pas mis la triple attaque, je l'aurais pas battu. Je pense. Donc tous les gens qui me disaient « Le fais surtout pas !» Eh ben, vous avez eu tort. Parce que je suis presque sûr que j'aurais perdu. Parce que... Il aurait pu me rendre le bébé étoile, mais j'aurais fait 3 fois moins de dégâts, je l'aurais pas battu. Genre, il restait 4 tours après ça, je l'aurais pas battu sans avoir la triple attaque. Donc, j'ai vraiment bien fait de le faire. Sans ça, j'aurais pas gagné. Mais j'ai aussi très bien fait de changer mes badges, genre pour mettre les PF à certains moments. Même s'il y a un truc quand même que j'ai mal fait, c'est que dès... que j'ai chargé ma triple attaque, j'aurais dû immédiatement changer pour mettre les PF. Et dès que les PF étaient chargés, j'aurais dû immédiatement changer pour mettre la triple attaque. Mais sinon, bah,
j'ai quand même géré, non, je trouve ça chaud quand même. C'est le boss de tous les Mario Luigi qui m'a vraiment causé le plus de problèmes. Qui m'a vraiment fait le plus stresser parce que... En vrai, il y a des boss finaux dans les Mario Luigi contre lesquels j'ai eu vraiment beaucoup de mal, mais parce que j'étais petit. Genre par exemple, le boss final de Mario Luigi 2, je l'ai fait je sais pas combien, des dizaines de fois, mais le combat était moins long. Et genre à chaque fois, je me disais... c'était différent parce que genre, à chaque fois tu te dis que t'y arrives pas, parce que... Genre, c'est parce que j'arrivais pas trop à éviter les attaques en fait. En vrai, j'étais petit, j'étais moins vif et tout, surtout sur les jeux vidéo, donc... genre effectivement, des fois je me faisais... comme elle faisait très mal, et bah genre quand je me prenais ses coups, je prenais vraiment cher. Alors que... j'arrivais pas à les éviter correctement. Alors que là en fait, genre vraiment, j'étais à fond dedans, j'évitais quasiment toutes les attaques. Je faisais des contre-attaques quand il fallait, pas à 100%, mais genre quand même pas mal. Et genre au niveau des PF et tout, c'était serré. C'était chaud. Bon, bah c'est pas... tout à fait la fin du live, parce que je vais ouvrir mon courrier. Alors, j'ouvrirai la lettre de Ender Creeper tout à la fin, sera la dernière que j'ouvrirai. Mais juste avant, parce que je sais qu'il y a des gens quand même qui vont certainement partir, parce qu'il y a des gens souvent qui partent à ce moment du live. Avant de partir, n'oubliez pas de laisser des pouces bleus et de vous abonner. N'oubliez pas aussi, la semaine prochaine, on se retrouve en live sur le Kawatch Blaster T. Sera peut-être le dernier live sur le Kawatch Blaster T, enfin en tout cas le dernier live sur l'aventure principale. Après, il y aura des trucs auxiliaires, enfin annexes. Et un autre truc aussi, n'oubliez pas que dans la description de la vidéo, il y a un lien Utip. Si vous voulez me soutenir, ça m'aide vraiment beaucoup. Si vous voulez me soutenir financièrement, mais que vous n'avez pas forcément les moyens ou quoi, dans la description de la vidéo, il y a un lien Utip. C'est genre le premier lien qui est marqué à côté de l'emoji arc-en-ciel. Si vous cliquez dessus, vous allez sur une page Kirbendo et en fait, vous pouvez regarder des pubs. Et à chaque fois que vous regardez une pub, ça me donne 4 centimes. Donc genre, ça me fait des dons sans que vous ayez à dépenser quoi que ce soit d'argent. Donc si vous le faites, ça me fait vraiment plaisir. Surtout qu'en plus vous pouvez laisser des messages. Et les messages je les reçois tous, sauf quand vous en envoyez pas, mais sinon je les reçois. Donc voilà, ça vous coûte juste un petit peu de temps. Donc si vous avez un peu de temps devant vous, je vous en serai vraiment reconnaissant si vous le faites. Bref, alors, ça c'est une lettre de... C'est pas marqué sur l'enveloppe. Ok, ce sera probablement marqué à l'intérieur. Le lien, il est dans la description de la vidéo. C'est vraiment le tout premier lien. Il y a marqué genre... Tu sais, il y a les hashtags Kirbendo, Nintendo 3DS, Mario et Luigi. Et en dessous, il y a marqué « Soutiens-moi gratuitement sur Utip ». Il y a un petit emoji arc-en-ciel. Et tu cliques dessus. Voilà. Donc merci à tous ceux qui le feront, en tout cas. Vous pouvez regarder, je crois que 3 ou 4 pubs toutes les 12 heures. Donc si vous avez déjà regardé 3 ou 4 pubs d'affilée, il me semble qu'il n'y en a plus de disponibles après. Ou si vous continuez de regarder, ça rapporte plus rien du tout. Donc il faut revenir 12 heures après. Ou pas du tout, mais si vous l'avez déjà fait une fois, c'est déjà bien. Hein, mais... Bref, oula, alors là, il y a l'air d'avoir pas mal de choses dans cette lettre. Voyons voir. Ah bah Kiroua, effectivement, après le live, il faut que je fasse une vidéo Fortnite, t'as raison, tiens. Sur le mode antiquité, s'il est toujours là. Alors, voyons voir. Ça commence par où? Il y a des dessins trop mignons, mais je vais d'abord lire la lettre. Et après, je montrerai les dessins. Attendez, non, c'est pas ça la lettre. Ah, mais il y a une lettre pour Kiki. Bon bah, la lettre pour Kiki, je lui donnerai. Parce que je reviens en France là, bah, à la fin du mois, hein. Pour Kirbendo et Kiki. Je t'adore, j'ai découvert ta chaîne car mon ami me parlait du Yokai World. J'ai donc regardé tes vidéos. Tu peux lire, j'ai des problèmes d'écriture, j'écris donc à l'ordinateur. Pour moi, tu es le meilleur youtubeur du monde. Dans mon école, tout le monde est obsédé soit de Fortnite, soit TikTok. J'avoue, TikTok, j'en entends parler, mais genre ça doit être... ces nouveaux trucs sur lesquels, genre... D'habitude, je suis un adulte, moi. Enfin, vous savez, genre, j'ai 27 ans, mais... genre, vu que je suis sur Internet et tout, j'essaye à chaque fois de, genre... Quand il y a des nouveaux réseaux, des nouveaux jeux, etc., j'essaye de voir les trucs de la nouvelle génération, entre guillemets. Mais TikTok, genre, c'est le truc... j'ai même pas téléchargé, j'ai même pas regardé. Alors, Luan Rougier, 10 ans. Tu pourras faire d'autres vidéos avec Kiki. Un jour, peut-être. Mais à la fin de l'année, je vais peut-être retourner en France. Donc, on fera peut-être des vidéos à ce moment. Alors.
Donc, je vais montrer tes dessins. La lettre pour Kiki, je vais pas la lire. On la donnera à Kiki. Attendez, je vais vous montrer en... Je fais plus souvent de vidéos Roblox. Il y en aura toutes les semaines des vidéos Roblox. Donc là, c'est moi. Avec un petit t-shirt avec mon logo. Et en plus, des cheveux bien lisses, comme je n'en ai pas souvent. Enfin, là, je les ai, tiens, pour le coup. T'as été devin. Alors, ouais, c'est un peu abîmé, hein, mais c'est parce que dans ma boîte aux lettres, les facteurs, ils en ont rien à faire. Et là, c'est moi avec un déguisement de Koma-san. C'est trop stylé. Koma Kirb. Avec un bingo kai à côté. Ah non, genre, c'est moi qui sors de la capsule. J'espère qu'au moins, j'étais dans une capsule dorée. Hein. Et en bas, c'est un petit chat. Miaou, maison de Kirbendo. Alors, je n'habite pas dans un château. J'aimerais bien, mais je n'habite pas dans un château. En vrai, non, habiter dans un château, ça doit être ouf. Enfin, ça doit être chaud, parce que... Au contraire, ça doit être froid, l'hiver. Ça doit pas être très bien isolé. Et là, un petit Koma-san noir. Et pour finir, un autre dessin... Ah bah, c'est... Ça, ça doit être plus pour Kiki, j'imagine, parce que genre, il y a des Evoli et tout. C'est Kiki qui est fan des Evoli. Voilà. Bah merci à toi en tout cas pour ta lettre. Je montrerai tout ça à Kiki. Ouais, attends, comment je vais faire pour... Je vais la mettre de côté comme ça, je penserai à la passer à Kiki. Waouh, ok. Merci, I.I. D'accord. Alors, une autre lettre. Elles sont toutes pliées, les lettres. Hein. Moi, ma boîte aux lettres, elle est toute petite. Genre, ils ont fait une boîte aux lettres stylée, mais qui est en fait pas pratique. Donc, le facteur est obligé de plier à chaque fois les trucs quand il les met dedans. Voyons voir. Les dédicaces, ce sera juste après. Hein. Juste après, je vais faire les remerciements, dédicaces, tout ça, tout ça. Donc, je voulais... Effectivement, je vous ai posé la question, mais comme j'étais concentré sur le jeu à ce moment, j'ai pas vu vos réponses. Mais est-ce que ça vous dirait qu'on fasse un autre live sur le jeu pour faire les combats de titans? Après, ce sera probablement un live très court. Mais est-ce que ça vous dirait, histoire que, genre, bah, on finisse, entre guillemets, à 100% le jeu, même si ce sera pas vraiment 100% parce qu'on n'aura pas récupéré toutes les fèves et tous les blocs. Mais est-ce que ça vous dirait? Si ça vous intéresse pas trop, on le fait pas, hein, mais... Parce que ça risque pour le coup d'être vraiment un live très court, hein, genre il durera probablement... Il y en a que 4 des combats de titans, donc il durera pas plus d'une heure je pense, mais... Mais pas la semaine prochaine, hein, parce que la semaine prochaine on fait Yakovatch Blaster. Et d'ailleurs ce mois-ci on va faire un live sur Super Mario Maker, probablement juste avant que le jeu sorte. On va faire aussi un live sur Yakovatch 3. Probablement juste avant que Yakovatch 4 sorte. Et pas sur Yakovatch Blaster, mais genre sur le mode normal. Je sais pas ce qu'on fera, mais on verra. Et j'aimerais bien aussi peut-être faire un live... J'y avais pensé, mais j'ai oublié. Ah ouais, peut-être sur Crash Team Racing, parce que Crash Team Racing, je l'attends beaucoup. Et pour ceux qui l'auront sur Switch, peut-être que justement, d'ailleurs, Crash Team Racing, je sais pas, hein, je peux pas le confirmer, mais vu que c'est pas un jeu Nintendo, peut-être qu'il y aura pas besoin du Nintendo Switch Online pour jouer online avec le jeu. Donc, si certains d'entre vous l'ont, et ben on pourra peut-être jouer ensemble sans avoir à payer l'abonnement. Donc on verra, mais on en fera peut-être un aussi. Oula, c'est un roman, ça! Ah non, c'est juste écrit sur une copie double, mais ah oui, c'est effectivement un roman. Mais attends, ça commence où? Ça commence peut-être là. Mais comme il n'y a pas de majuscule, je suis pas sûr que ça commence là. Peux-tu faire des... je ne sais pas, à Kiki, mais pas de gros. Bon, j'aurais... Je suis pas sûr que ce soit ça le début. Je suis perdu dans cette lettre. Parce qu'elle commence pas par une majuscule. Ah bah c'est normal, il n'y a pas de point. Genre, il y a une copie double d'écrite sans point. Ça nous stresse. D'ailleurs, c'est une copie double, mais c'est écrit que devant et derrière, et c'est pas écrit à l'intérieur. Mais elle commence où la lettre? Je ne sais pas. Bon, je pense que c'est une mauvaise idée de... Dis-nous quel métier ou travail que t'as fait avant de devenir youtubeur. J'ai fait game designer et bravo pour la blague de Yo-Kai Watch Wibble Wobble. Quelle blague! Qu'est-ce que j'aimerais qu'il remette le jeu? Oui, moi aussi. Mais tu vas faire un truc ou pas? Mais il...
m'ont bloqué avec la confidentialité, mais tu fais le jeu sur Switch ou pas, et tu peux faire Luigi Odyssey ou Yoshi Odyssey, ça n'existe pas. T'imagines un Peach Odyssey ou Bowser Odyssey, ça serait bizarre. Pour les dessins, j'espère que je les ai pas fait à l'arrache, mais la dernière fois, je t'ai fait un dessin moche, et à Kiki Ambo, pour me faire pardonner, je t'ai fait un dessin de ta série préférée, Mario, l'épopée de Bowser Jr. Ah bah tiens, ça tombe bien. J'espère qu'il te plaît. D'habitude, j'essaie de feuilles, mais cette fois, Bon, espérons que tu continues. Ça me gêne quand c'est mal écrit parce que j'aimerais bien comprendre la lettre, mais je suis désolé, je comprends vraiment pas. Moi, mais n'arrête pas YouTube, bisous. Et la prochaine lettre, je t'aurai, ça sera toujours pas une, mais un trésor. Alors prends, je passe des mots, hein, je suis désolé, j'arrive pas à les lire. Alors prends une boîte quand elle sera arrivée. Bye, et sinon, au choix, deux ou trois, tourne la page. Ok. Et je te dis une thermique pour 3 brawlers. Sur Brawl Star, Jesse met son boulon dans un buisson pour qu'il les attaque invisiblement. Nita met ton ours à côté d'un ennemi et il vient attaque-le. Ok. El Costo, cache-toi dans des buissons avec ton super si quelqu'un vient attaque-le. Ok. Et ne t'étouffe pas. Pourquoi m'étouffe pas? Je m'étouffe pas. Kirmendo, j'espère que le dessin des révolutions, je sais pas, a plu à Kiki. Ah, évolution, ok. A plu à Kiki directement. Je te le dis 10 fois. Continue Sushi Striker. Ah bah, je m'en souviens alors. Sushi Striker, etc. Et mais... Quoi? Je suis désolé, j'arrive absolument pas à lire la lettre. Bon, c'était la dernière page, mais je sais pas ce que... Tu me parles de Mario Tennis Aces, Yokawash Galapolism... En fait, tu me parles des séries que j'ai arrêtées, c'est ça? Mais je me souviens, tu m'avais déjà envoyé une lettre et c'était pareil, j'arrivais pas trop à lire... Bon, le fait qu'il y ait pas de points dans la lettre, c'est pas très grave, hein. Tu dois être petit... effectivement, ça me rappelle moi aussi, quand j'étais en primaire, j'avais des amis qui écrivaient genre des rédactions entières sans mettre de points ou de virgules. Même moi, quand j'étais en CE1 ou CE2, je mettais déjà des points et des virgules. Mais je sais pas, ça dépend des gens. Mais par contre, essaye de t'appliquer quand même quand tu écris, parce que j'arrive absolument pas à lire, je suis désolé. Attends, je vais voir le dessin. j'arrivais pas du tout à lire. Bon. Alors, donc, ah bah ça c'est l'épopée de Bowser Jr. C'est Bowser et... Enfin, c'est Bowser Jr. et tous les Koopaling. Mince, attendez. Qu'est-ce qu'il y a, Kiroa? Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, attendez. Qui connaît Sushi Striker? Ça date de l'année dernière, ça. Hein. C'est gênant. Bah, moi, ça me gêne un peu parce que j'essaye de faire des efforts pour arriver à lire, mais là, j'arrivais vraiment pas, désolé. Alors, et ça... C'est c'est Shogunian de je sais plus comment il s'appelle, Goku là, et c'est des yokai, mais ouais, c'est le Shogunian genre qui est c'est le Shogunian des ténèbres là, je sais plus, Shadow ou je sais pas quoi, c'est des yokai, genre il y a Octorgon, au milieu c'est pas l'un des rangs Z, mais si, c'est l'un des rangs Z qui est sur Puni Puni, en haut c'est Blizzardia Goku aussi. Après, les deux à droite et à gauche, en bas, ce sont des Oni, mais je sais pas lesquels. Enfin, bref. Non, je ne continuerai pas Sushi Striker. Sushi Striker, c'est bien comme jeu, mais c'est quand même super répétitif. En même temps, c'est un jeu de puzzle, donc je pense que c'est des jeux qui peuvent être bien joués, mais
en série, je sais pas, ça me lasse un peu. Surtout qu'en plus j'ai toujours pas compris comment on fait le mode 2 joueurs, alors que le jeu a quand même été vendu avec un mode 2 joueurs, mais bon, bref. Alors, ça c'est pour finir la lettre de Under Creeper. Et donc comme d'habitude, ce sont des lettres qui sont super décorées. Et là on commence avec Undertale, Sans et Papyrus. Et de l'autre côté, par contre, bon, c'est un peu délavé parce que, bah, comme j'ai dit, c'est la saison des pluies chez moi. Donc, si vous faites des dessins, il faut les protéger parce que sinon, bah, ça peut délaver. Mais tu peux pas protéger malheureusement l'enveloppe. Mais bon, voilà. Alors, voyons voir. Mais oui, elles sont trop belles ces lettres. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il met tout autant de temps à décorer l'extérieur de la lettre, enfin de l'enveloppe, que à rédiger l'intérieur, c'est ouf. Surtout qu'en plus il y a des dessins. Normalement il envoie des Kirby en mode yokai. Alors, voyons voir. Bon, inutile de me présenter, tu sais déjà mon pseudo. Non, je sais pas, t'es qui? Bref, salut Kirendo, je t'envoie 4 nouveaux dessins pour toi. J'ai fait un dessin d'une scène du jeu Hotel Mario, où Mario dit une phrase que tu connais. Laquelle? Quand il y a trop de grille-pain, c'est grillé? Ou non? Ensuite, j'ai dessiné le roi d'Hyrule de Zelda CDI, qui te dit que le jeu Hotel Mario est... Pourquoi lutte? Je connais pas la référence. J'ai pas joué au Zelda sur CDI. Ni même le Mario, mais le Mario, j'ai vu quelques vidéos, mais Zelda pas trop, parce que ça a l'air d'être vraiment nul, Zelda. Tu dois regarder le dessin pour savoir la suite. Ok, ok. J'ai fait aussi 2 autres dessins où les yokai sont dans le monde de Super Smash Bros. Et aussi, comment trouves-tu mes dessins sur ma lettre? Mais ils sont super tes dessins, tout le monde les kiffe d'ailleurs, j'ai vu dans le chat. Aussi, je voudrais te poser quelques questions. Pourquoi il n'y a plus les dessins qui passent au début des lives? Bah, j'en ai plus assez. Quel est ton premier jeu vidéo auquel tu as joué? Auquel j'ai joué moi-même vraiment, Super Mario 64. Quel nom donnerais-tu à un Paper Mario sur Switch? Je sais pas, ça dépend ce qu'ils font, hein, mais il y a quelques années, ils parlaient de faire un remake de Paper Mario 2, la porte millénaire, donc on sait jamais. Hein. Quelles vidéos apparaîtront? Oui, quelles vidéos apparaîtront? Oh, oula, c'est un roman. Ça aussi, c'est un roman, attendez. Alors, apparaîtront sur ta chaîne secondaire Kirbedito. Ah oui, bah, je l'ai dit tout à l'heure, les prochains jeux qui sortiront. Est-ce que tu feras des vidéos avec d'autres youtubeurs? Et dans quel jeu Mario tu as vu Bloops pour la première fois? Alors d'autres youtubeurs peut-être, oui, je sais pas. Et dans quel jeu j'ai vu Bloops pour la première fois? Bonne question. J'ai dû le voir sur un Mario Party. Je pense que ça devait être un Mario Party sur 64. Parce que j'avais pas de console portable. Donc à mon avis, ça devait être sur 64. Il est pas dans Super Mario 64, donc... S'il est dans Mario Party 1 ou 2, ça doit être là-dedans. S'il n'y est pas, c'est pas dedans, mais s'il est dans Mario Party 1 ou 2, ça doit être définitivement là-dedans. Mais j'ai pas dû le remarquer, hein, je devais même pas connaître son nom à l'époque. Dans quel jeu j'ai vraiment commencé à le connaître? Je pense que j'ai commencé à le connaître sur Super Mario Deluxe, Super Mario Bros Deluxe sur Game Boy Color. Et je me suis rendu compte à quel point c'était une plaie cet ennemi. À part ça, est-ce que tu referas des lives sur Yukawash Blaster 1? Mais tu me poses la question à chaque fois et à chaque fois je te dis oui. Je voudrais bien faire quelques missions avec toi, je suis rang 22. J'ai dit oui cette année, mais je ne sais pas quand. Je vais te donner aussi mes codes de mes niveaux sur Super Mario Maker sur Wii U. Ah oui, mais faut pas les donner ici. Mais je crois que j'ai fait un de tes niveaux, non? Je crois. Hier, vendredi, je sais plus. J'ai publié 7 stages en tout, et j'en ferai peut-être d'autres. Mais aussi une étoile à la fin de chacun de mes stages, merci. À chaque fois que je joue un stage, je mets une étoile, moi, de toute façon. En parlant de Mario Maker, tu avais dit lors de ma dernière lettre comment je faisais mes pixel art. Pour décorer mes lettres, j'utilise l'artbook de Super Mario Maker. Cet artbook s'obtient seulement si tu achètes le jeu en boîte. Ah ouais, je l'ai. J'avais oublié son existence, tiens. Ça veut dire que si tu as acheté le jeu sur le Nintendo eShop, tu n'auras pas l'artbook avec les pixels, mais aussi des codes dans l'artbook qui permettront de voir des vidéos de stage et d'autres secrets. Je sais, même il y a une page avec plein de bloops, je m'en souviens. Pour entrer les codes, tu dois aller dans le mode d'emploi électronique de Super Mario Maker et va sur l'accueil. Ensuite, en bas de la page d'accueil, il y a un truc qui permet de lire les codes. Je crois que je n'ai jamais fait les codes, par contre. Clique sur le truc et tu devrais être sur une page où tu...
peux entrer des codes. D'ailleurs, je te donne 10 codes que tu peux entrer. J'irai voir, enfin, si c'est des vidéos, c'est pas très très intéressant, mais tu peux aussi trouver d'autres codes sur internet. Moi qui pensais que tu allais arrêter les vidéos sur des jeux Wii U, eh bien je me suis trompé. Moi aussi je pensais que j'avais arrêté depuis au moins 2 ans. Je pensais que Live de Mario Kart 8 sur Wii U était un dernier hommage pour cette pauvre Wii U, mais en fait tu continues à faire des vidéos sur Super Mario Maker, merci. Bah après, en vrai, une fois que Mario Maker 2 sera sorti, ce sera probablement presque vraiment la fin, parce qu'il reste Super Mario 3D World. J'aimerais bien refaire Super Mario 3D World sur la chaîne, mais pas tout de suite, peut-être certainement même pas cette année, mais j'attends de voir, genre, si d'ici l'année prochaine Super Mario 3D World n'est pas porté sur Switch, je le referai en série sur ma chaîne. Probablement avec Kiki d'ailleurs, ouais, quelqu'un. Bon, à part ça, tu es un de mes meilleurs youtubeurs. Continue comme ça, tu fais des vidéos trop bien. Je te dis salut et pas de petit rond, mon garçon. Ender Creeper, hashtag Jibanyan dans Super Smash Bros. Ce serait bien, mais je crois qu'on rêve. Alors, comment trouves-tu mon dessin de Hotel Mario? C'est super ressemblant. C'est aussi moche que dans le jeu. Non, parce que, quand même, faut pas se le cacher. C'est moche, les cinématiques dans Hotel Mario. Mais tu as extrêmement respecté la mocheté de la cinématique. Genre, tu l'as peut-être même limite fait un petit peu plus joli que dans le jeu. Vous savez ce qu'on raconte? Il y a trop de grille-pain, c'est grillé. Ah ouais, c'est ça. Regardez. Bah oui, il est pas très joli, hein, mais il est comme ça dans le jeu. Il est même plus moche dans le jeu. Ce jeu, j'aimerais trop faire une vidéo sur la chaîne, mais je peux pas, il n'y a pas d'émulateur CDI qui marche bien. Mon petit, ce jeu est ce pourquoi luttent tous les vrais guerriers. Ah, ça c'est le roi dans Zelda CDI, mais je le connais pas trop, ça j'ai vu genre que la cinématique du début. Comment, bah et c'est peut-être dedans d'ailleurs, mais ça fait longtemps. Comment trouves-tu mon dessin du roi d'Hyrule de Zelda CDI? Bah pareil, il est moche, comme le roi dans le jeu. Non, en vrai, ils sont pas mal tes dessins. D'ailleurs, ils sont plus jolis que sur le jeu. Hein. En même temps, sur le jeu, il avait pas beaucoup de capacités, mais... Ah, ça par contre, il est super beau ce dessin. Il est original et super beau. Regardez, c'est des yokai et des personnages de Smash Bros. C'est stylé. Avec Peach qui... Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, elle a plus de réseau. D'accord. C'est stylé. Et genre, il y a Kirby qui rêve à de la bouffe. Et il y a... Tapur... Non, c'est pas Tapur. Comment... Oh, je vais pas avoir oublié son nom, hein, celle-là. Bon, bah, il y a le yokai là-bas qui mange les rêves, qui est en train de lui manger toutes ses nourritures. Ça se fait pas. Comment il s'appelle? Je le connais, en plus. Il est là depuis le 1. Tapur, c'est le blanc. Elle, c'est laquelle? Baku, c'est ça, merci. Super Smash Bros Ultimate X Yokai Watch. Oh, trop bien! Ness, il a envie d'aller faire pipi. Ah bah oui, c'est normal, parce qu'il y a l'éléphant à côté. C'est ça, son envoûtement. C'est stylé. Franchement, dans Super Smash Bros, s'ils avaient pu mettre genre des yokai en mode comme les trophées ou comme les Pokéballs, ça aurait pu faire un truc vraiment stylé. Genre, par exemple, tu vois, quand t'as le Shepo sur la tête... Non, le Shepo, je vois pas trop ce qu'il aurait pu faire, en fait, sans que ce soit embêtant aussi pour les autres. Mais genre, effectivement, Feu Lion, il arrive, il renforce tout, enfin, il renforce le perso qu'il a mis en route. Genre, si c'est Pachipipi, c'est comme ça qu'il s'appelle. Genre, tu te retrouves, enfin, genre, des fois, ça te bloque net de temps en temps. Donc, il pourrait faire des trucs vraiment cool, mais bon, Nintendo a l'air d'en avoir un peu rien à faire. Enfin bon, ils sont toujours super beaux tes dessins. Bref, bah on va en rester là alors pour ce live. Juste avant quand même, je vais remercier nos nouveaux sponsors. Enfin, tous nos sponsors d'ailleurs. Et je vais faire les dédits. Je remercie aussi les modos. Les modos, il y en a eu énormément. Donc voyons voir si j'ai pas oublié tous les modos qui sont passés. Après, il y en a peut-être que j'ai pas vu. Hein, mais alors, il y a eu Nono, il y a eu Clara et son chat, il y a eu Lonk, il y a eu Kaoui, il y a eu Anto, il y a eu Auré, il y a eu Bloops, il y a eu Kirua, il y a eu Dro qui est passé vite fait, il y a... Je suis sûr que je vais en avoir oublié, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a rarement eu autant, de modos qu'aujourd'hui. Mais il y a eu Minoz, je l'ai vu juste vite fait. Je crois que j'ai pas vu de message de Minoz, je crois que j'ai loupé tes messages, mais j'ai vu des gens qui parlaient de toi, donc t'étais là. Il y a eu Istou, c'est vrai, qui est passé aussi. Genre, ça fait quand même 11, là je viens d'en citer 11, enfin 12 avec Nightbot. Mais ouais, à part ça, c'est déjà énorme, genre il y a presque la moitié des modos qui sont venus aujourd'hui. Bref, alors, voyons voir, souscription aux chaînes.
Merci aussi à Amine Moussaoui pour ton don. Et donc merci à nos 31 sponsors, on en a perdu un, mais on en a regagné un. Donc merci à Amakir, Bethan Pro Gaming, Anaïs Lananas, Fluffy Life, Monsieur Hippo, Jidan 96, Clara et son chat, Olimar Pikmin, Mathis Naruto, Alexandra Roger, Delia Aya, Duyu Dakota, Madgame 84, Dark 2000, Kunikudo, Kunikurio, Pokéwatch, Blizzard, Iviriz, Kiwi Massan, fan incontesté de Kirvendo, Hippo le Déconneur, Nexus, Nakirb, Moriarty Holmes, Xis, Yotendo World, Picanian, Sydney, Storm, Antorod, Delphine, Amaury et Emmanuel Whale, je sais pas comment ça se dit, Whale ou Veil, Veil peut-être, c'est peut-être Veil. En tout cas, il n'y a jamais eu autant de soutien sur la chaîne, donc merci à vous tous. La semaine prochaine, on se retrouve en live sur Yukawash Blaster T. Pareil, hein, si vous êtes sponsor, vous pourrez jouer avec moi. Je pense qu'on les fera à la fin du live. À la fin du live, je ferai les parties avec les sponsors. Donc bref, allez, ça va être l'heure des dédicaces. N'oubliez pas avant de partir de laisser le pouce bleu et de vous abonner. Hein. Alors les dédits, The Dark Andy 73, Sydney Nonosun, Timothée Couster, DZ TV, Golden User 2.0, Lagarde au pigeon, Fée du Bédu, Drawing and a Dream, Tayandi, Nono, Jude B, Enzo Gauthier, Sky Hunt. Nightbot, Nightbot deux fois, mais Nightbot il spam pour avoir des dédits, ma foi. Julien Laude, Yous Elk, Laps Rear, Hicham Ferge, Raphaël Legal, Smiley Blue Jules, Stéphane Baudet, Mathéo FR. Ah, salut Mathéo. Allez, attendons un peu. Mathéo, il voulait pas de dédits, mais il en a une quand même. Parce qu'en fait, je lis pas les messages. Hein, que, quand vous, en fait, je lis juste le pseudo des gens pour faire les dédits, mais je lis pas le message après. Donc si vous m'envoyez un message pour me dire « Ne me fais pas de dédits », non. Alors, je vais faire les dernières dédits. Alors, attendez. Voilà. Cart Knight, Link Sony, Master M, Owen Lefebvre, Edson Gakpa, Jean-Luc Maquet, Timo Gabriel, Azimara, Zouer Benassia, j'étais perdu, à Enfant Chaudagne, Willy Uchiwa, Isabelle Parnies, ou Pamies, je sais pas, Maxime Poisson, The Gamers TP9, Clara, Amine Moussaoui, David Smadja, Matt V, Jonathan Bourgoin, Kylian Logero, Aitam Rakib, Raffinator, Adrien Brasseur, Baby Bloops, Everyday, Florentin Vecchiato, Metal Sight, Timothée Couster, et pour finir, Axe Gamer Pokémon. Voilà, merci à tous, vous avez été quand même énormément. Enfin, je veux dire, il y a eu des lives où vous avez été plus nombreux, mais pour un live quand même sur un jeu comme un jeu 3DS, sur lequel je joue même pas avec vous, qui est en plus un remake d'un vieux jeu. Je m'attendais vraiment à ce que vous soyez genre, je sais pas, à 200, quelque chose comme ça. Et vous avez été 600 durant le boss final, ça a été juste énorme. Donc merci à vous tous. N'oubliez pas de laisser des pouces bleus, n'oubliez pas de vous abonner. Et on se retrouve, eh bien, peut-être bientôt pour un autre live sur ce jeu, ça je suis pas sûr, on verra. Mais en tout cas, on se retrouve prochainement pour de nouveaux lives sur la chaîne. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut! Thank you.